Bonjour YouTube, on est parti sur Skate 3. On va faire du skate. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça au niveau explication. Et salut Julie Coin, bienvenue Julie Coin. Je vais mettre à jour le titre du live, comme ça on est ok. Et ça me paraît good. Alors, ah merde, j'avais créé une partie pour tester. Et elle fonctionnait bien, le problème c'est que j'aurais bien aimé créer un personnage. On va essayer d'éditer notre personnage. On va se faire un perso. Éditer perso. Let's go. On va se faire un petit perso, une petite planche. Bon, on va te rendre présentable. On va nous rendre présentable. Vas-y, on fait moi. Moi, je suis hyper blanc. Très bien. J'ai les cheveux. Attendez. Ça va être impossible de trouver une coupe de cheveux comme moi. Ah, c'est Trevor. Non. Ré au milieu, rasé. Il n'y a pas beaucoup de coupes de cheveux en vrai. Hein. En l'air. En vrai, ça... Ouais. Prête, mi-long et droit, pas du tout. Il y a ça en vrai, mais bon, j'ai pas une coupe afro, quoi. On dit pas. Je veux boucler. Ah bah tiens, ce serait ça. En vrai, ce serait ça. On prend ça. Vas-y, hein. Par contre, cheveux, ils sont plus noirs, je pense. Hein. Ah non, pas tant. On met quoi? Marron ou noir? Là, si je compare, je mettrais entre les deux, quoi. Yeah, bah gris, non gris ça va. Attends, gris c'est trop bizarre. On les voit pas trop les boucles là. Bah ouais mais si c'est pas ça, ce serait... Ah ça non? Des nattes droites? Qu'est-ce qu'il appelle des nattes? On met ça non? Genre ébouriffé? C'est bizarre quand même non? En vrai, de face, on croirait en vrai. C'est moins pire, Frozen nous dit. C'est plus proche de noir, non, vas-y, noir. Ok. Accepté. C'est tout bon. Forme du corps. Taille. Tout maigrichon. Tout gros. Je sais pas, on va mettre moyen, non? Je sais pas, comme ça. Cool. Sélection du visage. Personnalisé. Alors attends, on va le faire à la main. C'est mieux. Modification du visage. Yeux. On va mettre yeux. Bon, y a pas beaucoup de couleurs. On va mettre bleu. Sourcils. Je sais pas. Attends. Sourcils. Je sais pas, on s'en fout en vrai, non? De toute façon, on verra jamais nos sourcils. Voilà, en mode comme ça. Profil 1. Attends, profil. Qu'est-ce que ça veut dire? Profil. Ah, c'est vue de profil, d'accord. C'est l'avancement des sourcils, quoi. On va pas aller hyper à fond dans la réalité. La rotation des sourcils. Plus t'es vers le haut, plus t'as l'air triste. Plus t'es vers le bas, plus t'es en colère. En colère, triste ou normal? Un bon petit normal. Hauteur. Oh, étonné? Ah, du tout étonné, je m'en bats les couilles. Ah non, triste. Soit t'es étonné, soit t'es triste. Ouh, je suis pas content. Vas-y, on va être un petit peu étonné. Oh, étonné de ouf. Oh, mais what? Incroyable, mec. Vas-y, on se met comme ça. Nez. Nez. Je sais pas, nez patate. Oh, c'est pareil, il est parfait le nez. On va pas chercher plus longtemps, non? Ok. Mâchoire. De la goule. Comment on fait pour avoir de la goule? Là. Voilà. Voilà. Et bouche. J'ai pas de bouche. Largeur. Non, vas-y, on va pas aller trop loin. Rondeur. Et sourire. Non, sourire à smile. Gros smile, mon pote. Ok, menton. Comme ça. Moyen. Pilosité. Absolument rien. Nothing. Rasé de près. Voilà. Parfait, ça. Parfait, ça. Parfait. tatouage, non. Non, ok. Merchandising. Alors, on met pas de chapeau, parce que ça sert à rien d'avoir les... Non, pas de chapeau. Un t-shirt. Y a pas beaucoup de choix. Les autres sont pas débloqués. Oh, je voudrais un t-shirt... Déjà, on va pas faire de placement de produit. Ça est pas mal. Ah, on peut changer la couleur. Bah voilà. Bien, bien. On peut mettre un logo. Faudrait que je fabrique un logo. Je sais pas si c'est possible d'en fabriquer.
avec la couronne, genre un truc comme ça. C'est trop bien en vrai, c'est hyper personnalisable. Hein. Genre comme ça. Comme ça en bas là. Il y a un style, non? C'est vrai ça. C'est un peu bizarre en vrai. Je l'aurais mis dans le dos, là ça fait bizarre. Ça fait poche de kangourou. Attendez, on va changer. Voilà. C'est bien fait, l'interface est cool en vrai. Ok. On va se mettre là. Là, j'aime bien là. Il y a une grosse couronne dans le cul. Plutôt sympa. Plutôt sympa. c'est marrant que tu joues à Skate 3. J'ai fini Skate 1 il y a quelques semaines. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça te fait gagner de l'argent? Non, les placements de produits. C'est une question honnête, je n'en sais rien. Pourquoi ça te fait gagner de l'argent? Ah bah non, mais ça me fait pas gagner de l'argent les placements de produits. Non mais en gros, quand tu... si vous êtes 50 personnes, vous êtes combien là? Je sais pas, une cinquantaine de personnes à regarder le live et que... Ah non, il y a 20 personnes. Ah, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Si vous êtes 20 personnes à regarder le live et que vous voyez une marque, bah vous êtes 20 personnes à voir la marque. Donc, en théorie, je pourrais me faire payer pour vous afficher ça. Moi, je le fais. Enfin, pour l'instant, j'ai jamais fait de placement de produit. Mais c'est comme quand, je sais pas, tu regardes un film et qu'il y a une bouteille de Coca qui sauve le monde. Ça peut arriver. Et bah, quand Coca sauve le monde, souvent, c'est parce que Coca, il a payé pour pouvoir sauver le monde. Je sais pas si vous voyez. Et parce qu'il y a des millions de personnes, dans des centaines de milliers de personnes qui ont... Oh ouais, c'est l'été, on met un short. Il est cool en plus ce short, non? J'aime moi, bien. Moi, ça me va. Bon, si ça lui va, moi ça me va. Est-ce qu'on mettrait pas des chaussettes montantes? Des chaussettes montantes de bâtard. Pour aller à l'inverse du short. En mode chaussettes... avec une couleur un peu extravagante. Chaussettes jaunes. Royal. Royal. Attends, on va devoir changer le pantalon alors. Le short. On peut pas changer de short? On peut pas changer la couleur du short? Ah, oh, je suis un peu déçu. On va pas se mettre en slip quand même. Non, slip ça fait trop. Vas-y, on garde. On va garder ça. Ça fait bizarre quand même là. On a l'air con. Ah, quoique, ça va bien avec la couronne. En plus, c'est connu que Coca sauve souvent le monde. Bah, je pense, est-ce que Coca... Bah, je pense que Coca a tué combien de personnes? Après, il tue pas directement les gens. Ils participent à détruire l'humanité, mais ils le font par petits coups, tu vois. Je sais pas si tu vois. Genre, avec énormément de sucre et des trucs qui tuent les gens, quoi. Mais ouais, ils en font pas exprès, en vrai. Ils font ça que pour l'argent, en vrai, donc ça va. Ça reste éthique. Coca. Bon, chaussures, ah, il y a des DC. Vas-y, des petites DC, c'est stylé. Ouais, pas mal. Ça fait vraiment... Elles sont cool, les DC. Et bah voilà. C'est juste que le short, il me saoule. Mais il va falloir qu'on débloque des nouvelles. C'est moi. Non, c'est pas moi, mais c'est un peu moi. Alors par contre, la posture, il a une posture en mode voûté. Bah, en vrai, j'étais voûté, là. Vas-y, je me mets droit. Qu'on peut changer la posture dans le jeu. Accessoires. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Lunettes, poignées, collier, anneaux. Lunettes? Absolument pas. La façon dont ils ont pris les photos des lunettes, c'est genre... À moitié la tête baissée en contre-plongée, ça fait genre gros beauf sur toutes les photos. Non, voilà. Non, il n'y a pas de voilà, je mets pas ça. Voilà. Skateboard, planche. Prends une board, bro. Bon, apparemment, on n'a rien débloqué en board. Du coup, on va se mettre une board jaune qui va bien avec nos chaussettes. Pas mal ta planche. Les trucks. Vas-y, choisis tes trucks. Bah, on y a rien. Et l'autre, roue. Tu prends quelle roue? Voilà, nickel. Éditer le style. Alors, on peut faire du air guitar, de l'avion. Avion, c'est marrant. Karaté, ça... Oula. Il y a un freeze. Ça marche? S'il vous plaît. Ne crache pas. Non. S'il vous plaît, ça marchait hyper bien. J'ai peur. Après, le perso, on le refait vite, hein, en vrai, s'il faut. Je pense qu'il faut que je relance. J'ai un peu le seum. On attend combien de temps? C'était mieux quand il mettait de la coca dans le coca. Ah. Oh merde. Attendez. Je vais voir. Bah, je pense que c'est dead. Je ferme. Ça crash. Ça total crash. J'ai ouvert. Stop emulating. Took too long. Arrêtez le process. J'ai le seum un peu
J'ai essayé de lancer par là, mais c'était nul. Du coup, je lance par là. Allez, s'il vous plaît. Oh merde. C'est bon, c'est fermé. Alors attendez, hop. Tac. On relance. Bon bah du coup, le perso, on va le faire vite. Hein. J'ai déjà lu, ne me montre plus ça. 4-3, let's go. Il y a des DLC aussi sur Skate 3. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup joué à Skate 3. Mais les DLC, je ne les ai pas. Je les ai pas fait. Enfin, j'aurais bien aimé les faire. Faut viser la nuque avec une certaine force, ça l'endort et tu le mets dans la voiture. Vraiment, en tant que commerçant d'âme, pour les récupérer, je sais le faire. Mais tu tapes avec quoi, Cosmix? Avec un petit bâton? Il participe à détruire l'humanité, tu dis sa pile quand je prends une goule de coca. Bah arrête de prendre du coca, non, je sais. Moi aussi j'aime bien le coca, mais j'en prends quasiment jamais. Parce que je suis contre. Il y a plein de trucs où genre c'est bon directement, mais tu sais que dans le fond c'est de la merde. Du coup faut pas y aller. Il y a plein de trucs qui sont cool, mais qui tu sais dans le fond de ton cœur que c'est de la merde. Comme le coca, comme McDo, comme tous ces trucs là. Bon, on va te rendre présentable. Peau, cheveux. Je m'en rappelle, hein. On s'en rappelle, c'était un nom un peu bizarre du genre. Natte droite. C'est mieux. Forme du corps, on était un peu plus gros, je crois. Moi, je crois ça fait. Me va. Oh, les yeux. Alors, attends. Là, on va faire ça. Plutôt modification sympa. Du visage, les yeux. On va prendre ça. Sourcils. Voilà. Le reste est bon, hein. Il y a que la pilosité faciale qu'il faut qu'on enlève. Ouais. Voilà. Le tatouage, il est trop gros là. Il m'a l'air un peu gros le monsieur. Il est trop musclé là. Attends, faut que je l'enlève. Voilà, il est bien foutu. Ouais, pas mal. Les vêtements, pas de chapeau, t-shirt, on prenait ça. T-shirt, non, c'était plutôt celui-là. Avec de la couleur noire, avec Royal. Un logo d'équipe en arrière qui serait une équipe, la dernière équipe. F au fait. Tu vois là par exemple le jeu, je l'ai pas, mais je trouve le live quand même. Je regarde le live quand même parce que soit tu me fais rire ou je sais pas, mais tu trouves une manière d'aborder le jeu de manière plaisante. Et bah merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir. C'est vrai ça. Autant que ça te plaise en tout cas. Y a pas un autre noir qui est vraiment noir? Ah bah oui, d'accord là. Très bien. Ok, j'aime bien. Chemise à boutons, non. Veste, pull, pantalon, je voudrais un short. Voilà. Parfait ça. Chaussures, on met les DC qui sont ici. Celle-là. Les bien, chaussettes, bien. On les met en jaune. Cool. Ok. Accessoires, on en a pas. Skateboard, planche. Prends une board. On prend en jaune. Eh, pas mal ta planche. Les trucks. Alors. Des trucks plus souples permettent de mieux négocier les virages, mais la planche perd en stabilité à haute vitesse. Pour les descentes de malade, il faut au contraire les rigidifier. Moyen, c'est bien, non? C'est vrai que moi, quand j'en fais du skate, je mets plutôt des trucs assez desserrés quand même. On va essayer de faire mon style à moi. Et les roues, moi, je mets des roues assez molles. Ah non, mais molles. Dures. Pardon. Vas-y, on fait ça. Ok. Tu le sens comment? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut le renommer, le monsieur? J'ai reçu ma convocation, mon permis de conduire. Je le sens très très mal. Ben non. De toute façon, le permis de conduire, en vrai, c'est con à dire, mais... Si t'es prête à y aller, c'est que t'es prête à y aller. C'est juste un peu du bol. Enfin, ou du pas de bol. Je pense, moi, je l'ai eu du premier coup. Et la personne qui est passée avant moi, elle l'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il y a un camion de pompier qui a débarqué et que... Bah, je saurais même pas comment gérer moi un camion de pompier si je suis en train de... Il y a un camion de pompier, tu le laisses passer, mais t'as pas le droit d'aller sur le trottoir. Mais en fait, si... Je sais pas... Oh, c'est tout. Voilà, et hop, t'as pas ton permis à cause d'un connard de camion de pompier qui fait que son métier de merde. Non, je rigole, pardon. On va s'appeler F parce que c'est marrant. Tac, 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 tac. Ah, IFE. Tu fais du skate? Ah bah pour l'instant là on fait des personnages, on fait notre perso. Entrez. C'est bon. Retour. Nouveau nom d'équipe. Le nom d'équipe on va s'appeler comment? L'équipe, les casse-coups. Les... Les
casses. Les casses. Ah, attends. Tirer. Y'a pas un tirer. Tirer. Merde. Les casses. Coup. C'est oui. Les casse-coups. Le, y a un S ou pas, mec, quelque part. À coup, à casse. Les casses au pluriel coup. Moi, je sais pas. Bon, en vrai, hey, on est casse-coups, hein, on s'en fout, puis savoir bien écrire. Enter. Les casse-coups. Nouveau logo d'équipe. Donc, on choisit un logo d'équipe. Un chat qui fait du skate. Une chaussure qui gueule. Un bonhomme. Il y a des trucs marrants en vrai. On met la couronne en vrai. Les casse-coups, c'est marrant en vrai. Voilà. Yes. Voilà, let's go. On va pouvoir rider sévère. Oula, 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 oula. Ok, attends, si je fais... Ok. Ok, ça passe. Alors la caméra en bas, elle est très... je trouve que la caméra, elle bouge beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends, je vais mettre la cam là-bas. Et on va commencer à faire des quêtes. Hein. Il faut qu'on... Alors en gros, le but du jeu, pour ceux qui n'ont pas... Que l'espoir, en gros, on fait du skate. Mais du coup, on est une sorte de... On veut devenir skate... On est skater pro, plus ou moins. Et on ouvre d'autres marques de skate et on veut vendre des planches, en gros. Carte des défis. On va faire des défis. Démarrage... Tour du propriétaire. Maintenant que tu es de nouveau sur la board, suis Reda aux alentours pour mieux apprendre la zone. S'inscrire. Moi je l'aurais appelé la cause mixte. Totalement subjectif. Ah oui. Ouais. Moi les casse-coups au pluriel. Attends, quand tu mets un. Bon, oh, ça finit par un U, c'est pas un X. 157€ plus tard, j'ai bien eu le jean pour lequel j'y étais à la base. Un jean à 157 balles. Putain, il doit être pas mal. Oula, 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 oula. Et ça, je galère de ouf. Attends, ça fait de la merde. Attends, la caméra, elle, c'est insupportable la caméra en bas en vrai. Ça fait plus immersif, mais pour vous peut-être, pour moi c'est pas ouf. Ah oui, là ça va être mieux là. Alors attends, on peut pas recommencer. Voilà, nickel. Allez, moins 157€, j'en ai pour un an de vêtements. Un an de vêtements. 157€, t'as 3 vêtements. Ou 4, allez, grand max. Ça dépend ce que t'achètes. Mais je déconseille d'aller acheter sur des sites. Sur des sites où t'achètes des vêtements à 10 balles ou à 5 balles. Après, à moins que t'achètes. Moi, je sais que moi, mes vêtements, j'en prends pas mal chez Emmaüs. C'est pas cher. Mais c'est pas moi vraiment qui les achète, c'est ma mère. Parce que moi, à chaque fois que je vais chez Emmaüs, y'a rien. On trouve rien, ça me fait chier. Je déteste ce magasin. Enfin, ce magasin. Ce truc. Alors attends. Oula, je galère de ouf en vrai. Oh mais je fais n'importe quoi. Vas-y, on le suit. En fait faut pas faire 2 points, faut juste le suivre. Je peux aller là. Ça lag un peu hein. Mais je pense qu'on est en train de charger le jeu, donc c'est pour ça que ça lag un peu. Le son est pas assez fort je crois. Voilà. Sûrement une des 800 000 exceptions de la langue française, ouais, c'est sûrement ça. Ok. Ok. C'est trop bien, ouais. J'adore rider. Dommage que le jour où ils sortiront Skate 4, c'est genre le même jeu mais en méga beau et en méga fluide. Ce serait génial. Ah, je suis derrière toi, frère. En vrai, il y a un style, hein. Je l'ai pris. Je t'avais pas dit qu'on allait se marrer. 150€, t'as même pas 10 vêtements, Cosmic. Bah, tu peux en vrai. Ça dépend où t'achètes. Si t'achètes sur des trucs qui détruisent le monde en Chine, là tu peux en avoir large. Si t'achètes chez Emmaüs, tu peux également l'avoir large. Mais ça fait du bien des fois de changer de vêtements, non? Moi je sais que j'ai pas mal de temps. Souvent, j'ai souvent les mêmes vêtements. Et ça fait, je sais pas, ça fait plaisir de changer. C'est fou, ce jeu a 12 ans et encore aujourd'hui, il reste le meilleur jeu de skate. Bah!
ça reste surtout le dernier jeu de skate Walter South, non? Est-ce que t'en connais d'autres? Voilà. Des jeux de skate. Enfin, un trick du dévers jusqu'au LED. Ah si, il y a eu des Tony Hawk peut-être après, même pas, il y a pas eu de Tony Hawk, tout est il y a rien en skate. Ah si, il y a des jeux indés. Il y a eu des jeux indés qui étaient bah indés. Du coup bah oh putain. OK. Terrible. Terrible. Malheureusement. Bah ouais. Et j'ai vu passer des tweets il y a pas longtemps. Choisis celle que tu veux. Des tweets sur non, elles sont pourries. Elles sont pourries mec les photos. Tu aurais dû me dire que t'étais à droite. On recommence. Comment on recommence? Comment on recommence? Moi je vais recommencer. Elle est nulle ta photo mec. On va prendre celle-ci mais c'est vraiment c'est assez à chier mec. Allez celle-ci, on voit qu'il y a un show vite. Profondeur de champ. Un petit peu. Zoom cam. On va faire un truc comme ça. On peut toujours améliorer une photo en vrai. Ok. Bon en fait ça va. Même les photos pourries elles peuvent faire de belles photos. Sublime. Ça se passe comme ça. Il est temps de filmer une ligne agrémentée de quelques obstacles. Un beau trick suivi d'un grind, ça te va? Sors en trick du premier ledge, grind le deuxième. Ok. C'est Instagram avant l'heure. Instagram, c'est plus vieux que ça en vrai. Ce jeu, je crois que c'est 2010, hein, comme a dit Walter Sauce il y a 12 ans. Il y a des bugs. Hein. Il y a des petits bugs. Là, faut que je fasse un trick. Oulala, mais attends, j'arrive pas à contrôler. Allez, mais arrête, ça lag. J'ai des petits lags un peu chiants, ouais. Ok, c'est bon. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Hé, hey, regarde ça. Ok, salut, Ended Game. Sorti en 2010, Instagram. Ah bah, c'est sorti en même temps. Incroyable. Skate 3 est sorti en même temps qu'un... C'est trop bien. Salut, salut hein, tous ceux qui reviennent. Oh, oh Shingo, qu'est-ce que tu fous dans le coin? Est-ce que ça va mec? Bah ouais, ça va, tranquille. Faire un poulpe ou une grenouille? En fait, je suis juste là pour rider et m'entraîner. Tu me mets à la vidéo. À la vidéo. C'est chiant les bugs derrière. Moi et mon associé, on va fonder une marque et il nous faudrait un caméraman. C'est ça, on monte une marque. Tu nous ferais voir une ou deux vidéos pour voir? Vraiment? Bah, trop bien. D'accord. Il y a session encore en Early Access depuis 2017 qui est vraiment dur par contre. Ah je crois que j'avais testé vite fait. J'ai jamais c'est bien ou pas? Ça avait l'air vraiment injouable. Enfin moi j'avais testé. J'ai jamais réussi à faire un ollie. Ça va aller avec la caméra. Si c'est pour jouer à un jeu de skate et que ce soit plus dur que, le skate dans la vraie vie, bon bah... Pff. Attends mais... Attends faut que je suive un mec. En vrai l'intérêt de jouer à un jeu vidéo c'est quand même de pas se taper la difficulté que t'as actuelle du jeu. Enfin... Oh si hein. Ok. Ouais. Ah, raté. Oh, accroche-toi, j'ai pas envie de te paumer. Ouais, ouais, génial. Tourne. Non, le but d'un jeu, c'est de s'amuser, on est d'accord. Il y a des petits lags, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai du mal à gérer. Et je pense qu'il est en train de charger tous les shaders et tout. Quand on sera là, c'est la première fois qu'on y est, donc c'est pour ça. Mais par contre, il y a le nombre de trucs qui tombent du ciel. Là, je comprends pas trop le bail. Oh là. Merde. Vite, avance. Ah, c'est là où on va apprendre le truc le plus stylé du jeu. La création de parc. Incroyable. Ah, il est régulier mon perso, faudrait que je le mette en goofy. À moins que je sois en... Ah non, je suis en switch, c'est bon. D'ailleurs, je me demandais. Ah, voilà le spot. Comptez faire un Master of the Grade dans un futur proche ou lointain? Oh oui, ça risque de pas trop tarder à s'en refaire. Personnage Reda.
Les chutes et le ragdoll, c'est la même chose. Là c'est pas trop ragdoll, si un peu quand même, parce que c'est bizarre. Est-ce que ça te dirait de shooter nos vidéos pendant que je gère le team? Tu veux shooter les vidéos avec des coups de pied? Caméra, mais d'abord faut que je te rappelle quelques trucs. Premièrement, parle pas trop aux gens, les gens aiment pas ça. Ok. Deuxièmement, parle pas trop. Sois bien prudent avec la caméra. C'est la caméra qui a filmé la vidéo Lacaille. Troisièmement, touche pas à la caméra si t'as les doigts qui collent à cause de tes bons becs. Ok. Et le plus important, ne parle pas trop. Compris? Ouais, mais. Eh, je t'ai dit quoi là? Il est trop chiant. Ne pas trop parler. Trop chiant l'associé. Je le déteste. La dernière fois que vous me verrez, et d'ici là, je vais toujours garder un œil sur vous. Je l'aime pas. Ouais, non mais je sais que Reda veut qu'on bosse. Mais j'ai la clé d'un skatepark de malade. On peut pas passer à côté quand même. Allez, on va au skatepark de malade. Yes. Hey, mate-moi ça. Ce spot est ouf. Moyen. Tu dis qu'on peut faire tout ce qu'on veut ici. Même qu'on pourrait remodeler. L'anti-aliasing, on le sent là. On le Allez, sent pas du coup. Ça marche. On sent qu'il y en aurait besoin. Tu te souviens comment on a placé un marqueur de session. Ok, allez go. Et ça tourne. Placé. Allez, vas-y, attrape cette benne. Ne t'en fais pas, elle est moins lourde qu'elle en a l'air. Ah mais non, mais je peux pas le faire, du coup c'est bugué. Je peux pas. Putain, mais c'est de la merde. Attends, pourquoi il n'y a pas de collision? Bah je peux pas, en vrai, je peux pas. Il n'y a pas de collision. Bon, je vais essayer de la choper au passage. Ouais bah merde. Qu'est-ce que je fais? Je quitte? Je peux pas le faire. Mais t'inquiète, la prochaine fois c'est la bonne. Par contre on peut faire un skatepark hein. Mais faut qu'on monte notre perso avant. Il y a un problème avec la cam, quand je mets vers le haut ça va vers le haut, mais c'est pas ça que je veux. Attends, on va faire des défis. Entraînement, timing, holy. Attends, on va faire. Ah, je suis obligé de la faire celle-ci. Non, ne me dites pas que je suis obligé de faire ça. De toute façon on fait du skate tranquille en vrai. On va dans le super ultra méga park. Oh c'est dommage, je suis un peu déçu. Salut Matoufix, bienvenue Matoufix. Je pense que je serai aussi nul dans ce jeu que dans la vraie vie. Ça m'étonne rien. Tu peux pas être... Enfin le skate c'est tellement dur que tu ne peux... Rien que de faire ça, y a rien besoin de faire. Dans la vraie vie, tu n'arriverais pas à faire ça. Le skate c'est pas un truc facile. Merde. Il y a aussi un skateboard sur le XGP où tu incarnes un oiseau qui fait des tricks bien amusants. Ah ouais! Ouh là là! Ouh là! N'importe quoi, vas-y on recommence. Je vais y aller, salut Gabi! Hop là! Je suis pas bon du tout. Ok. Je suis plus doué suspendu en l'air à une corde que sur un skate. Suspendu en l'air à une corde? À faire quoi? Tu fous suspendu en l'air à des cordes? Genre du saut à la... Comment ça s'appelle? Du saut en... Du saut à l'élastique? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Je suis ton admirateur secret depuis quelques années. Je vois que tu t'amuses bien. Bah coucou Mathieu. Bienvenue à toi. Tu fais du trapèze, trop bien. Ça doit être trop dur en vrai. Ah. Ça doit être trop dur.
Ah, c'est un truc de ouf. Ok. Ok. Non! C'est trop bien, ouais. Il est trop bien ce jeu. Je fais n'importe quoi. Pas simple en vrai ce jeu. Salut Link. Il se casse la gueule pour rien, c'est insupportable. Voilà, c'est mérité. Non, même pas. Bon, tu peux avoir des crises cardiaques en fonction des figures, mais ça va. Oh bah ça va, c'est juste une crise cardiaque et puis c'est pas dangereux. C'est pas comme si t'étais en hauteur. Non, tranquille. Tranquille. Une crise cardiaque, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Une de perdue, 10 heures trouvées. Oh là là, là, je fais n'importe quoi. Vivement skate 4. Bah c'est pas prêt, c'est pas encore trop prêt hein. Je sais pas si t'as vu où ils en sont à l'étape de rien du tout. Et ça, c'est insupportable les petits lags de... Allez, j'ai envie de au moins arriver en bas de la rampe là, ça serait pas mal. Allez, allez. Ok. Mais t'es pas tombé! Dis pas que tu tombes quand tu tombes pas. Il m'énerve, Jean-Dylan, là. Allez, on va descendre par là. C'est où? C'est là-bas? Là, il y a un truc là. Je viens de commencer Zelda Breath of the Wild et je suis bloqué à l'ombre de foudre. C'est marrant parce que ça a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là. Ça c'est rigolo ça. Ou l'entrejambe, oui ça fait bobo. Oh putain, si ça m'énerve je suis trop nul. On va passer en difficulté plus facile. Voilà. Ok go. Oula oula. La bonne fracture, je sais pas, j'ai pas compté. On peut pas faire un comment on fait un cannonball? Y a pas un truc comme ça, genre on peut se mettre en mode... Attends, ça doit être... Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a un bail du genre... Il faut que j'accroche l'avant du skate. Ah ça! Rocket Air. C'est pas cannonball, c'est Rocket Air. Oh là 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 là, j'arrive sur le côté. Loser. Allez, vas-y, on va où? On change d'endroit. On va aller se faire une petite zone industrielle. Entrée du desservoir. Non, pas là. C'est où le tout début de tout début? Je crois que c'est à l'école en fait.
Zone universitaire, observatoire. Voilà. J'en dis là une client préférée de l'hôpital local. Je sais pas si on parle de client hein, pour l'hôpital. Hein. Je pense que c'est plutôt patient. Et c'est peut-être pas le patient préféré du coup. Le patient le plus régulier peut-être. Ok. Yes. Les profs de Stella se trouvent tellement bien en jeu, c'est ouf. Bah elles sont... Elle a tout en vrai, elles sont trop bien. Donc à partir de là... Mais c'est vrai que ça enjaille. Bah du coup, vu que c'est un jeu qui a plein de musiques qui sont copyrightées, je me suis dit que j'allais pas... J'ai désactivé la musique du jeu. Oh. Pardon monsieur, je lui ai éclaté la gueule. Aux US, vu que tu payes tout, c'est plus client que patient. C'est vrai. Mais après, je pense qu'il doit y avoir quand même des... Il doit y avoir des sacrées questions éthiques aux US, non? Parce que tu payes tout, mais tu payes pas... C'est hôtel, surtout une assurance qui te paye tout, non? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis au bureau et je me crie que tu pourrais coller des bordes. Et toi, tu fais quoi de ton côté? Rien. Ah, ça m'étonne pas, mais allez, on tourne. Ah, oh. Dommage. La séance maladie, elle est payée par l'endroit où tu taffes, maison. Ah ouais, il faut taffer quoi déjà. Parce qu'on a pas, ils ont pas la même sécurité de l'emploi que chez nous aux US. Hein. Je crois. Nous, c'est assez difficile de virer quelqu'un. Aux États-Unis, je crois que tu vires quelqu'un assez rapidement. Pour ça, pour vivre aux US, le mieux, je pense, c'est de vendre de la drogue. Au moins t'es sûr que tes employeurs sont sympas et qu'il y a des thunes. Et que si tu te fais mal, bah tu te répares. Les US c'est vraiment un pays pour les riches. Oh la barrière! Vas-y, t'as pas de caisse commune, mais t'as tout à payer de ta poche ou d'assurance. Les assurances, c'est cher, ouais. Pays de merde. Moi, je vous le dis. Pays de merde. Les US. Bah, ou alors, non. C'est pas vraiment pays de merde. Le pays est cool, hein. C'est juste que nous, on a le plus beau pays du monde. Et donc, on a quand même une chance de malade. C'est vrai que moi je me rends compte jour après jour de la chance que j'ai de vivre là où je vis. Putain, on a quand même un pays qui est pas trop grand, qui a accès à tout, qui a la mer, la montagne, qui a vraiment tout. Après on se plaint beaucoup parce qu'on est français, on adore se plaindre. Du coup on se plaint tout le temps. Mais si tu relativises un petit peu, en vrai ça va quoi. Allez. Oui. Yes. Et salut good boy. Ah. Heureusement que j'ai mis en mode facile hein. Voilà, déjà con. Ah. Ouch.
coup, on a vu des vidéos sur les pays défavorisés. Ah, d'accord, d'accord. On arrive à être patriote et se plaindre en même temps. On est... En vrai, je trouve que la France est pas trop patriote, si. Je ressens pas le... À comparer aux US, ils ont tous un drapeau américain dans leur jardin. Allez, il essaie de me piquer la priorité. On est chauvin et pas patriote. Comment tu définirais chauvin, good boy? Honnêtement, je préfère les US à la France. Bah, par rapport à quoi, du coup? Qu'est-ce qui te fait kiffer aux US? Y'a trop de critères qui rentrent en jeu, c'est impossible de lui poser. Bah, donne-en un ou deux, quoi. Bah, le peu que j'ai vu ce qui se passe sur le continent américain ou comment fonctionnent les Américains, je t'avoue, je me sentirai jamais de la vie américain. Je pourrais jamais vivre là. Je pourrais même pas y aller en vacances tellement ça me rebute au plus haut point, on va dire. Pourquoi on parle de pays, là? Je sais même plus pourquoi. Pourquoi on parle de ça? À cause de l'hôpital. Parce qu'on fait un truc dangereux. On croit que notre pays, c'est le meilleur de tous. A raison. Cependant, quand on nie, on se plaint de tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Les innovations. Ouais. Le patriotisme aux US, c'est une vraie secte. Enfants doivent saluer le drapeau. Ah ouais? Ah oui, d'accord, ils en sont là. Ah, c'est le truc hyper malsain de ouf aussi. Ouais. Bon, il y a un petit souci de chargement là. Regarde les jeux de merde qu'ils font, les Américains. Tu penses vraiment que c'est un bon jeu, ça? Je pense que c'est un bon jeu, ça. Dis donc. Regarde. On peut même pas jouer. Allez, faudrait que ça charge, là. S'il vous plaît, le jeu. Moi, j'aime bien le mode ralenti, mais... 5 minutes, quoi. Ah, mais oui, c'est vrai que si tu cherches la recherche infinie... Les États-Unis, c'est la définition du capitalisme, donc c'est sûr que là-bas, tu trouveras tout ce qu'il te faut si tu veux de la croissance infinie et de la... Enfin, si tu cherches l'utopie de la croissance infinie, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu trouveras ton bonheur, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Les trucs qui innovent toutes les 5 minutes, qui inventent des nouvelles choses, qui révolutionnent toutes les 30 secondes. Mais ça paraît normal d'avoir envie de ça au début. Oh, c'est injouable, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de tenter un autre truc. On va arrêter l'émulation. On va arrêter d'émuler et je vais tenter de le lancer via Xbox. Parce qu'en gros, il est en cloud gaming. J'ai pas osé prendre ma game en cloud gaming parce que le jeu est peut-être déjà fini. Bon, on va voir ce que ça donne. Rejeter la faute sur les shaders, mais oui, exactement. Ce que je souhaite, c'est principalement d'être encouragé par l'état dans lequel je vis et pas être déterré. Oh, après, c'est dans ta tête, hein, encouragé. Hein. Tu peux être encouragé par toi-même. Mais c'est vrai qu'en France, on a la culture de se plaindre. Et donc, du coup, on dira toujours dire « Ouais, ils veulent rien pour moi, machin. » En vrai, si tu n'écoutes pas les autres et que tu fais ce que tu veux, en vrai, t'es tranquille. Hein. Mais oui, hein. Fais tes découvertes, hein, Cosmic, t'es jeune, t'as bien le temps d'aller voir tes trucs. Et si tu kiffes les États-Unis, tant mieux, ouais. Tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai des potes qui y sont allés. Et la moitié qui sont revenus. La moitié.
J'ai pas beaucoup de je dois avoir 4-5 personnes qui ont dû y aller. Et 2-3 qui sont revenus. Bon, ça a peut-être mieux marché là. Voilà, du coup ça va plus du tout être le même jeu, on a plus le même perso. Je peux le refaire. Hop là. Connexion à EA Nation. Attends, mais ça se trouve, ça va me garder. Vous pensez que ça peut me garder ma sauvegarde que j'avais? Non, c'est pas possible. J'aurais pas ma sauvegarde du jeu de l'époque. Mais je pense que le jeu va moins bugger là déjà. En vrai, je disais que je devais finir à 17, mais en vrai, c'est à 18h30. Enfin, c'est à 18h30 que j'ai rendez-vous, donc je peux faire un peu plus long. Et on va pouvoir faire plus de skate encore, on va ride it sever. Dans l'exemple de l'IA, les meilleurs ingénieurs en IA sont français, mais tous partent aux États-Unis parce que c'est permissif. Ah oui, oui, bah ça, c'est vrai qu'il y a plus de moyens là-bas, mis là-dessus. Après, en France, en Europe, il y a pas mal de... Ouais, c'est vrai que ce qu'ils mettent en place, il y a plus de budget pour ce genre de choses. C'est vrai, je pense. Sinon les chercheurs, c'est peut-être simplement que la recherche est mieux payée. Oui, bah c'est surtout ça. Bah la fuite des cerveaux, on l'a tous vu en histoire. Ils se sont tous barrés là où ça payait de ouf. Mais il y a quand même des chercheurs français qui restent en France et qui aiment bien aussi tout ça. Mais non, il va pas sortir Skate 1, vient même d'arriver sur le xCloud cette semaine. Attends, qu'est-ce qui va pas sortir? Je vais remettre... Vas-y, je mets facile. Je suis éloigné. Ah mais du coup, je reconfigure tout le jeu. On va tout refaire. Après, on avait pas fait grand chose en vrai. Dans Skate 3. Alors, l'équipe, on va l'appeler. La F-Team. C'est nul, F-Team, non? Ça fait un peu culte de la personnalité, non? C'est nul. La team, on va l'appeler. Les casse-couilles. Les casse-couilles. Les casse-couilles, c'est marrant. Les. Les casse. Ah merde, j'ai mis couille en majuscule, bon c'est pas grave. La photo, ça va être la petite. Ok. Personnalité, le skater. T'avais peur que Skate 3 sorte du XGP bientôt, non? C'est quoi le XGP? Personnalité, le skater. La légende, non. Moi je m'appelle F. Mon blaze. Ok. Ah non, le son, non, pas de musique. Pas de musique, mec, pas de musique. Bon, je coupe le son parce que j'enlèverai la musique après. Peau hyper blanc, cheveux hyper comme ça. C'est marrant, on n'a pas les mêmes couleurs de... que sur PlayStation. Ouais. Ok. Sélection du visage, il est bien comme ça. Modification du visage, yeux bleus. C'est tout. Nez, mâchoire, le reste on s'en branle. Pilosité, absolument rien. Voilà. Et ça c'est good. Merchandising. Oh, ça va, on sait le faire. On sait le faire en 2 secondes le perso. C'était ça. T-shirt noir. Looter logo d'équipe à l'arrière. Logo d'équipe tout en bas. Xbox Game Pass. Ah, bah, je suis sur Xbox Game Pass là, non? Bah oui, si je suis. Sur le Game Pass là. Là je suis sur en cloud gaming là. Pantalon. Tac. Grosse chaussette jaune. Non, grosse chaussette j'ai dit. Et grosse. Jaune. Mais jaune, putain. Voilà. Et chaussures. Chaussures d'ici posées. Et la skateboard jaune, parce qu'on adore le jaune. Jaune ou orange? Jaune. Ok. Les trucks, on va les laisser comme ils sont. Par contre, mon style, je peux le changer. On va faire de l'avion. On fait du karaté, de la boxe, non? L'avion, air guitare.
le moulin et les ailes. J'adore. Position goofy, parfait, style standard, décontracté, décontracté, déjanté. Il a l'air déjanté là. Déjanté. Posture par défaut, quelle est ta position? Droit, voûté, macho, macho. Ça, c'est macho. Par défaut. Par défaut, droit. En vrai, un skater voûté, c'est marrant un peu. Mais vas-y, un peu voûté, un peu en mode, je m'en bats les couilles de la vie. Je me suis mis 10 pétards, je me bats les reins, mon gars. Je vis dans un pays où j'ai pas de couverture sociale. As-tu fini d'éditer? Oui. Bon bah nickel, alors je vais remettre le son. Hé hey, toi là-bas. Hé hey, toi mec ici. Bienvenue dans l'école de skate. T'as signé pour un pur programme de skate l'ami. Et tout ça testé et approuvé par moi, coach Franck. Si la question c'est pourquoi tu n'as pas commencé direct sur l'Xcloud? Parce que je crois que j'ai une latence un peu chiante. Veux-tu rester ici pour prendre les buzz? Non mec. En gros, je pense qu'il y aurait une latence, mais j'avais déjà testé sur PS3, ça marchait bien, mais je pensais pas que ça buggerait autant. Bon, je vais... Alors attendez, je vais désactiver le... Ça a l'air de plutôt pas mal réagir en vrai, hein. Ok. Ok. Nickel. En vrai, ça va en vrai. On refait l'émission qu'on a déjà faite, mais bon... Oh la chute. Salut Niniste, comment tu vas? Bienvenue Niniste. En plus ça marche. Oh là. Yes. Oula. Arrête, arrête, fais pas le con mec, fais pas le con, on avance. Moins de 100 mètres. Yes. Très bien, et toi? Et vous tu... Bah nickel. Nickel, nickel, on fait du skate. On ride sévère la pente. C'est trop bien. On voit mes messages non aérien, tu fais partie des seuls viewers qui sont messages, on les voit absolument pas. Et du coup ton message que je n'ai pas vu c'était question bête, tu peux faire du cloud gaming sur PC avec le Xbox Game Pass. Alors c'est un Game Pass avancé. Tu payes 12 balles ou 9 balles je crois. C'est un Game Pass plus plus. Mais ouais, ça fait partie du Game Pass. Comment c'est abusé? Normalement, c'est à moi. Je lutte contre un frérot qui s'est introduit dans ma chambre. Aïe. Attends, mais j'ai pas réussi? Mec, j'étais là, j'étais à côté de toi, tu m'as pas vu? Il était un peu bourré le gars. Je t'avais pas dit qu'on allait se marrer. Faire un trick sur un ledge incliné. On va triquer des ledges inclinés. Voilà. Ah là, faut qu'on fasse une belle photo. Dévers jusqu'au ledge. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un... Je vais tenter un truc. Allez, fais-moi voir. Ah ouf. Terrible. Skate IRL ou pas du tout? Du vrai skate, j'en fais plus parce que c'est dangereux. Je meurs, enfin j'ai pas envie de me casser quelque chose. Mais choisis-en une. Mais sinon je fais du... Je fais de la longboard un peu. Je me déplace quasiment qu'avec ça, on va dire. Et j'en fais plus de skate. Trop nul. Trop nul en vrai. Mon problème, trop nul. Un seul défaut, trop nul. Attendez, comment on zoom? Ok. Ou non, c'est pas je suis trop nul, c'est que c'est trop dur. Je pense que ça fait préparer. Belle photo là, non? Continue. C'est le pays du ledge. Comme tu vois, il y a une ligne. Juste une longue board pour la fac et tout, ça vaut le coup? Bah ouais, carrément. Bah vas-y, go. Les problèmes que tu peux avoir en longue board, c'est que quand il pleut, c'est un peu chiant parce que t'es obligé de la nettoyer après. Enfin, tu veux pas niquer tes roulements. Et si t'es à l'aise dessus, t'es bien en vrai. Je suis sûr que ça va te plaire. Surtout en cours, tu peux la poser partout. Moi, j'allais tout le temps. J'allais tout le temps en cours en skate. Et tu peux la poser. C'est mieux que tu vois. Si tu te prends une trottinette par exemple, c'est cool les trottinettes parce que bon, t'as l'air d'un con parce que c'est une trottinette, mais au moins tu vas beaucoup plus vite et tout. Mais c'est chiant à traballer et tout quand tu dois aller quelque part. Au moins le skate, t'as l'air stylé en plus.
bien, écoute, je me souviens de me voir revenir de l'école avec des belles blessures à cause du skate. Ouais. Tu m'étonnes. Après quand tu commences, quand c'est juste des quand c'est juste de la peau déchirée, ça va. Hey, Shingo, mais quand tu commences à te casser des trucs et qu'il te faut 3 mois pour t'en remettre, bon bah au bout d'un moment t'as compris que il faut. Ouais, il est temps d'arrêter. Enfin non, il est pas temps d'arrêter, mais putain. Il est temps d'être meilleur ou bien d'arrêter. Je viens de passer devant une paire de Converse mauve pastel. Putain, mais toi, tu fais toutes les. Je vous jure, j'ai besoin d'un self control quand même. Ah ouais, moi je vais faire les magasins. Moi samedi, j'aimerais bien m'acheter des belles chaussures aussi. Des Converse. Par contre, je pense pas que j'achèterai des Converse mauve pastel. J'ai fait du surf, ça devrait le faire, non? Bah, ah, moi j'ai une planche de. Ah, le skate et le surf, en vrai, ça se ressemble pas. Hein. Ah, je trouve que ça. Ça a rien à voir, mais je pense techniquement que le surf c'est peut-être plus dur. Oh, je sais pas, ouais. Ça dépend. Pour ouais, juste génial. Rouler, oui, ça devrait aller, je pense. De la peau déchirée, c'est la pire façon de faire des égratignures. Bah, non, mais quand la peau est part vraiment, tu vois. Genre t'as quelques centimètres de peau qui. Ah, j'aime pas ça. Pardon, j'aurais jamais dû parler de ça. Ah. Oups. Ah, ça me. Ah, c'est ça. J'ai les sensations qui reviennent là de picotement dégueulasse. Ah, ça fait moins mal quand tu tombes d'un surf. Bah en surf en vrai détrompe-toi. Si tu tombes sur un autre surfeur et tu te prends sa planche en plein dans le nez ou dans l'œil, franchement, à mon avis il peut se passer des bails. Parce que le surf c'est difficile de le contrôler même si les vagues tu vois à peu près où elles vont mais tu peux partir en couille. Hein. Allez, reste avec moi. Ok. Ah! Mate-moi ce spot! Ok, je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau pour passer ça. Le skate et le surf, ça se ressemble pas mal. Et moi, j'ai. Il y a une époque, je roulais que en skate avec des grosses roues pour. Parce que moi, je fais que rouler. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir un skate très léger. Donc, je mettais des grosses roues pour. Bah, pour pouvoir être à l'aise dessus. Hey, mate-moi ça! Ce spot est ouf! Et récemment, je me suis remis à mon ancien skate. C'est mon ancienne longboard qui est vraiment. Genre j'en vois jamais des comme ça. Genre une longboard hyper petite. Vas-y, je te regarde. Enfin pas hyper petite, ça va en vrai. Mais elle est hyper flex. Genre il y a déjà des voitures qui ont roulé dessus. Genre à côté des roues. Bah la voiture est juste passée. Elle a juste roulé dessus et elle a rien eu la planche. Elle a vraiment rien eu. Il lui est arrivé des dingueries. Tu peux sauter dessus comme un comment ça s'appelle comme un trampoline. Il y a absolument aucun problème. Et je trouve jamais des planches de ce type. C'est hyper. Enfin. J'en ai recherché parce qu'elle est vieille, elle a 13-14 ans ma planche. Mais jamais retrouvé une planche aussi stylée que celle-ci. Ouais, c'était mortel, mais on peut faire mieux. Et du coup, et c'est trop cool. Parce que tu peux. J'arrive à gagner de la vitesse sur du plat sans mettre le pied au sol. Et juste en pompant. Je sais pas comment on peut dire, mais. Mais voilà. Bah, c'est toujours mieux d'attaquer par les balles. Se prendre sa propre planche de surf, c'est ultra drôle, vraiment pire bail. Ah oui, tu m'étonnes. Okay, oh, le skate, j'en ai. Non, du surf, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un petit peu, mais des initiations. C'est pas bon, hein. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire, nouvel objet? Voilà, c'est bien. Ok, comment on descend? Comment on descend? Voilà. T'as vu? C'était easy, hein. C'était easy, hein. Allez, maintenant, va grinder un de ces rails. En pompant. On dit pas pomper? Ah, putain. On dit pas pomper? Je sais pas comment on dit. Des coups de rein quoi. Tu mets des coups de rein. Ah ouais, c'est cool. Mais enfin, y a encore avant, c'est un cruiser que tu as. C'est toujours le même que tu avais lu. J'avais ça. Je sais pas si c'est vraiment un. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais oui, c'est un cruiser. En gros, j'en ai deux. J'ai celui-là. Bon, il est un peu mort, hein. Mais c'est ma planche. Et celle-ci, elle est très très flex. Genre, je sais pas comment le prouver. Je peux pas la plier. Non, je peux pas. Mais croyez-moi, elle est hyper flex. Mais c'est elle est bizarre un peu. Elle est genre. Je sais pas trop comment dire. Mais du coup, là, je peux sauter au milieu, c'est un trampoline. Des coups de rein. Bah, en gros, quand t'es dessus. Si tu tournes un peu. Tu peux utiliser ton poids avec tes reins pour. Ah, je sais pas comment dire, mais oui, c'est des coups de rein, je pense. Bah, je sais pas comment on pourrait appeler ça, toi. Jamais accroché au skate et tout. Bah, oui, quand t'accroches pas au skate, tu te pètes la gueule de toute façon. Je suis vraiment plus vélo. Plus de contrôle, plus de vitesse aussi. Bah, techniquement, en skate, tu peux aller plus vite qu'en vélo, hein.
Mais après, ah, c'est risque, c'est péril. Non, mais tu peux faire plein de trucs avec. En vrai, aller à 40 en vélo ou aller à 40 en skate, les sensations sont absolument pas les mêmes aussi. Oui, je me souviens de celle-là, elle est abusée. Comment ça, tu te souviens de celle-là? En Bretagne, elle est trop cool avec la mer. Attends. En Bretagne, c'est trop cool avec la mer belle. Mais plongée vie? Je comprends pas la phrase. Ah, toi, tu fais de la plongée. C'est plus ça. Une bonne bande pour carver que tu as. Attends, j'ai pas les mots-clés. Enfin, le carver. Tout carve, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. On parle de paddle. Paddle, c'est le dessin animé qui te paddle. Donc j'ai celle-là. Ça, c'est celle d'un pote qui m'a laissé. C'est mon meilleur souvenir de skateboard. C'est une grosse planche, c'est un gros mastodonte avec des grosses roues. Et ça, c'est avec un dessin. Allez, stylé. Regarde, tu avec un dessin de skater avec deux lions vénères. Wrong time. Ah, ça, c'est ma relique. C'est celle. Elle est trop bien. Celle d'un pote. Elle est pas à moi normalement. On va se mettre comme ça là. Il faut le lampadaire complet. C'est ça le style de la photo en vrai. Bon. T'inquiète, tu me reconnais pas à cause de mon pseudo, je pense. Mais on s'est pas mal côtoyé à Lyon. Matoufix. Attends. C'est vrai que là, je vois pas. Bon, après, si tu vois le skate. Ok. Je me doutais là. En vrai, avec ce que t'as dit, je me doutais. Matoufix. Carve en skate et surtout longboard, c'est tourné. Juste en se penchant, d'après Google. Ah oui, d'accord. Et ça, bah, du coup, je fais pas, moi. Attends, genre, se mettre sur le. Attends. Genre, faire des power slides ou rien à voir? Parce que ça, moi, je peux pas. C'est vraiment trop dangereux pour moi. J'avais acheté des gants pour pouvoir mettre les mains au sol. Impossible. Impossible. Enfin, impossible. J'ai essayé, hein. Mais c'est vraiment trop, juste trop dur pour moi. Pas faux. Le power slide. C'est quoi le but du jeu? Skater. En vrai, le jeu s'appelle Skate 3. Le but, c'est de skater. Ils sont pas allés très très loin d'un point de vue objectif. On s'en bat les couilles du reste, on fait ça. Et c'est... C'est comme quand tu vas dans la rue, tu vois un skater. C'est quoi ton but? Bah, c'est skater, frérot. Et ça va pas très très. Y a pas besoin de raison, hein. Tu vois, c'est genre le plaisir, quoi. Le plaisir incarné. Le kiff de du ride. Ça donne envie d'aller au skatepark, putain. Bah, en vrai, moi quand j'étais petit, je jouais beaucoup à Skate 3. Ça me donnait trop envie d'y aller. Mais la différence entre ce que tu fais dans Skate 3 et ce qui se passe dans. Dans la vraie vie. Putain, t'es là. Aïe. Pff, tu tentes un truc, tu t'exploses de la gueule. Ça fait trop mal. C'est trop bien. Enfin, c'est pas trop bien, mais c'est marrant. Alors, attendez, on carte des défis, on continue. On fait un one-up. Je sais plus ce que c'est les one-up. Le gameplay n'a pas vraiment vieilli. Bah, c'est une des meilleures simulations de skate qu'on puisse avoir, en vrai. Avec le temps, les tricks finissent par rentrer. Bah... Moi, ça a jamais rentré, hein. Moi, j'ai juste appris à faire... Allez, kickflip, ollie, show vite, pop show vite, à la rigueur peut-être, et c'est tout, quoi. Ah si, il y avait le 180, un petit 180. Un ollie 180, plutôt. Et c'est pas moi qui joue. Je comprenais pas pourquoi il était nul. Il faisait pas ce que je voulais. Je pensais que c'était moi. Merde. 3 ans de skate, j'ai fait 11 entorses, une fracture. Bah, ça se fait partie du... Faut avoir des os. En vrai, un bon skater... A des os solides en vrai. Enfin, c'est... Un bon skater, c'est pas quelqu'un qui tombe pas. Un bon skater, c'est quelqu'un qui tombe, mais qui se fait pas mal. Faut du calcium. Du calcium sur les os. Oh là là, oh là. Oh, non, non, mais je recommence. Il s'est pété la gueule, mon pote. Je peux pas reset IRL. Non. Un bon skater ne tente pas quand il ne le sent pas. Non mais un bon skater, on le sent tout le temps. Pff, un bon skater, on le sent tout le temps.
c'était toi qui jouais, ça serait pas aussi stylé. Bah ouais, peut-être, on sait pas. Attends, tu vas voir si ça va pas être aussi stylé. La scène t'attend. Je vais essayer de rider le rail à droite là, avec un 360 laser flip. Raté, putain! Pardon, on recommence. Faut pas prendre de risques en fait dans ces trucs là, parce que si tu tombes, c'est perdu. Ok, bah on est parti. Bye, sale noob. Il a fait exactement ce que je voulais faire. Non, il a fait un nollie. Ouais, c'est pas exactement pareil, mais quand même. C'est un bâtard. Ah, Chris Cole! Ah, il a collé le sol! Ça va bien tomber, Tanner. Oui, aussi. Aussi. C'est ton tour. Oh, mais putain! Il est presque. Allez. Oh. Je ne sais pas pour le skate, mais en équitation, j'ai souvent entendu que ceux qui étaient jamais tombés, c'est ce qu'ils ne montaient pas assez. Ah ouais? À moi. Bah ou alors... Ouais. Je sais pas. Après, moi, je serais à la place d'un cheval. Je t'avoue, avoir un gringalet sur mon dos qui me casse les couilles à vouloir que je saute au-dessus des barrières. Au bout d'un moment, un bon gros coup, là où il faut, avec le sabot. Et puis la grenade, ça va plus me faire chier. Hein. je rigole. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien contre la... Moi, je dis ça, je dis rien. L'accordéon, c'est mieux. Moins de sensas tête au niveau de vitesse. Après, les sensas musicales, il doit y en avoir. Des petits guillis dans le ventre. Bon, 2005. En skate, tu tombes tout le temps, même si tu fais bon. D'accord, mais tout fixe. Non, justement, non, quand t'es nul, tu tombes jamais. Parce que tu tentes rien. Moi, c'était ça. Moi, je tentais rien. J'avais trop peur de tomber en vrai. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais trop progressé en skate. C'est que j'avais trop peur de tomber. Mais en skate, c'est atroce. Hein. Par exemple, si tu veux apprendre à faire une figure. Moi je me rappelle les premières figures que j'avais apprises, le kickflip, je l'avais appris sur de l'herbe. C'est-à-dire sur place, et si tu tombes c'est pas grave. Bah au bout d'un moment tu y arrives, mais c'est pas parce que tu y arrives que tu sais le faire. Parce que après tu t'essaies de le faire sur du goudron, tu n'y arrives pas. T'essaies de le faire en roulant, c'est impossible. Tu vas apprendre à faire du skate, faut l'apprendre en roulant. Le truc c'est que faut pas avoir peur quoi. Après l'équitation, quand tu tombes, il y a quand même un gros truc au-dessus qui peut te piétiner. Ah bah oui. En plus, il est grand, hein. Tu tombes de haut en fait en équitation. Ok, je me lance. Moi je préfère faire de la trottinette. Ouais, moi la trottinette justement... C'est le fléau des skateparks, tous les gamins en ont, c'est pas beau la trottinette, qu'est-ce que c'est moche. Même des trucs hyper durs en trottinette, c'est moche. Je comprends pas comment c'est possible que ce soit aussi moche en vrai de regarder de la trottinette. Je trouve ça fou. C'est genre, ça a pas de style. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais. C'est hyper dur, hein. Les gens, ce qu'ils font en trottinette, à faire tourner leurs patins trois fois en atterrissant. Ah bah la trottinette. Et puis la trottinette. Bah, moi après, c'est surtout mon esprit est assez embrigadé à cause de tous les gosses qui cassent les couilles au skatepark. Avec leur trottinette. Alors voilà, depuis un moment, on bombarde de vidéos sponsors. Et devine quoi ? C'est chiant, ça les enfants. Va bouger au niveau du team. Les enfants trottinettes. On l'appelle comment notre skater ? On l'appelle. Trotty Boy. Trotty Boy. Et on va lui mettre une sale gueule. Mais vraiment la pire des gueules. Pour vraiment qu'il fasse, qu'il vende aucune board. En équitation, quand t'as un bon niveau, tu fais en sorte de ne pas tomber sous ou devant le cheval. Tu fais en sorte de te décaler, hein, sinon la mort est proche. Putain, ouais. La classe quand même, de se faire buter par son cheval. Non, peut-être pas, ouais. C'est moche, mais c'est plus facile. Ouais. Moi, je suis roller, c'est cool. J'ai jamais essayé le skate. Roller, je trouve ça assez... C'est rare, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du roller. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Mais je trouve ça trop... J'avais un pote, il faisait du roller de vitesse.
Qu'est-ce que c'était stylé. Avec les gros patins jaunes, enfin pas jaunes, mais des gros patins, c'était incroyable. Sur des pistes à tourner en rond, ça devait être... Oula. Non, vraiment, les petits en trottes en skatepark, juste, je vais faire regarder où vous allez. Non, mais ouais, après, c'est aussi, il faut du monde et tout. C'est compliqué. Le skatepark, c'est... moi, je trouve que c'est... moi, j'ai toujours eu du mal à y aller au skatepark. J'y vais que quand il y a personne, parce que socialement, je trouve ça compliqué, le skatepark. Je sais pas, il y a trop de gens, t'as toujours l'impression de gêner. Tu gênes de toute façon, à partir du moment où tu fais un truc, tu gênes. C'est un peu la loi du meilleur aussi, les gens forts, ils vont se permettre d'avoir l'accès à tout. Enfin, moi, j'avais le skatepark, moi, c'est vraiment un truc... j'y vais que quand il y a personne. Donc tu y vas quand il pleut. Et le matin. Voilà. Ou vraiment quand tu gênes personne. Donc ça, dans des skateparks, il y a personne. Mais... Bah récemment ce que j'ai fait c'est du les trucs de vélo là, le pump track. Et bah je suis allé sur un truc de pump track en skate. Oh le plaisir, c'est vraiment trop cool. C'est que en gros tu vas pomper. Bah si tu pompes, là c'est vraiment pomper dans les transitions. Je crois que c'est le bon terme. Tu pompes dans les transitions, dans les pentes. En gros tu mets tout ton poids dans les descentes. Et tu plies les jambes dans les montées. Et normalement bah tu peux optimiser ta vitesse. C'est trop cool à faire. Imagine des petits vieux en trottinette. Ouais. Moi j'ai une. J'ai acheté une trottinette électrique pour me déplacer. Mais en vrai, ça me sert de ouf. Quand je veux aller me bourrer la gueule avec mes copains qui habitent à 5-6 km d'ici, je t'avoue, l'hiver, je vais pas y aller à pied quoi. Enfin, je vais pas y aller à pied, puis je vais pas y aller plein en voiture parce que j'ai pas envie de conduire bourré. Et donc, qu'est-ce que je fais? Petite trottinette, ça m'a sauvé un peu la... Enfin, ça m'a sauvé la vie. C'est plutôt pratique quand même. Mais le mieux, ça aurait été un vélo. Hein. Mais le problème du vélo, c'est que chez moi, c'est la merde de le rentrer, ça prend trop de place. Mais je me sens honteux. En tant que personne qui aime le skate, de me balader en trottinette, c'est vraiment la honte infinie. C'est pour ça autant jouer à Skate 3 comme un vrai gros tocard. Plutôt que d'aller dehors. Le pump track. Bah tiens, par exemple, le pump track, c'est des trucs un peu comme ça. Enfin, c'est pas, là, c'est un skatepark, mais c'est des trucs un peu du style. Genre des pentes très légères. Mais c'est sur une course, c'est un chemin, c'est pas un parc. C'est une route quoi. Mais attends, je veux pas ce skater, je veux le mien, non? Ah, y'a un défi à faire. Ah d'accord. Ah, j'avais pas vu. Ok. Non, je vais pas faire ça, mec. J'ai fait de la merde. Tu me déçois, F. Et bah... Désolé. En même temps... En vrai, au bout d'un moment... quand tu peux te déplacer... En vrai, ça reste stylé quand même. Enfin, ça reste stylé. Ça reste fun. Ça reste... Bah, quand j'étais sur Lyon, justement... Il y avait des trottinettes électriques à Lyon. Et les trottinettes électriques à Lyon, tu payais à la minute. Pire chose au monde. Tu fais pas payer un moyen de transport à la minute. Parce que t'es sûr que les gens... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. J'allais tout droit, le plus vite possible. Pas de feu rouge, je m'en bats les couilles. Je traversais la ville en 5 minutes, en 3-4 minutes, même limite des fois. Non, peut-être un peu plus, au moins 7 minutes. Mais quand ils te font payer... Genre, ça doit être 30 centimes, je crois, la minute. Un truc du genre, ou peut-être plus, même 1 euro la minute. T'inquiète pas que tu vas pas crever une minute en plus, quoi, sur quand tu fais de la trottinette. Mais du coup, c'est à cause de ça que j'ai bien aimé en faire. Et voilà. L'autre jour, on a croisé quelqu'un, il roulait à contresens sur une route, ils sont cons, c'est pas possible. Bah, ça dépend qui en vrai. C'est plus cher qu'un téléphone rose. Parce que toi, tu utilises le téléphone rose? Parce que là, t'es en train de comparer deux trucs qui ont rien à voir. Entre un truc pour se déplacer, donc qui te permet d'aller à un point A, un point B, à un truc pour régler un problème de comment ça s'appelle? De solitude extrême, je pense. Téléphone rose, c'est pour ça. C'est un peu bizarre. Pourquoi tu prends ça comme exemple? T'as un truc à nous dire, Cosmix? Non, c'est... Il faut faire des... Ah non, il faut faire du temps, pas des points. Attendez, je pensais qu'il fallait faire du temps... des points. On est passé de 3-4 minutes à 7 minutes. T'as une bonne notion du temps. Ouais, c'est cool. Non, mais je sais pas, parce que... Non, mais ça dépend d'où je partais, d'où j'arrivais. Mais de chez moi, au centre-ville...
Si j'y allais en skate, il me fallait 17 minutes, je pense. Un peu moins. Et si j'y allais en trot, c'était 7 minutes. Mais si j'allais pas en centre-ville, mais plutôt, genre place Bellecour, bah 3 minutes en moins, 2 minutes en moins peut-être. Désolé, j'ai pêché. Le téléphone rose, ça doit être hyper malaisant d'appeler ça, non? Qu'est-ce qui se passe sur un téléphone rose? Est-ce que c'est genre les discussions que t'as au téléphone rose, c'est genre les... Attends, ça doit être trop bizarre. Non mais ça doit être hyper malsain surtout. Ça doit être tellement malsain de ouf. Je m'imagine les conversations. Il suffit que tomber sur des gens qui ont des lubies un peu particulières. Oh là là. Oh ouais, le malaise. Exploser. Alors je sais pas si je peux en parler ici, mais c'était drôle, je parlais pas, mais j'écoutais. En plus. Elle parlait toute seule. Ou il parlait toute seule, t'as pris pour gars ou pour femme? Toi t'as pris... J'ai dit dès le prochain live. On va éviter. Enfin non, ça, moi ça me mettrait... Moi c'est le genre de truc, ça me mettrait trop mal à l'aise en vrai. Je pourrais pas. Déjà téléphoner à des gens, j'aime pas ça. Alors si en plus... c'est en plus... Des conversations de ce style, hors de question. Tester le téléphone. Mais ça existe encore. Oui, ça existe encore. Hein. C'est pas sur les magazines qu'on trouve ça. Genre sur les magazines, là, derrière, il y a des pages de pub avec un million de pubs. Les casse-couilles. Contre Esh. Allez, on va niquer les casse-couilles. On va les niquer, ouais. Allez les blaireaux, les casse-couilles on dit, on n'est pas des blaireaux frérot. Vas-y je mets une main sur le skate parce qu'on est BG. Non vas-y on y va comme ça. Comme un vrai petit enfant. Yeah. Yeah. Nous on ride. Ah il va plus vite que nous, merde. Attends pourquoi tu vas plus vite que nous mec? Pourtant j'ai une bonne prise au vent normalement. Attends je suis sûr ma prise au vent elle est impeccable. Non elle est pas impeccable. Bah mec, vous avez quoi comme roues, les gars? Il me faut des roues... Non! Ils vont se péter la gueule, c'est sûr. Je suis si lent que ça? Ah, ils sont tombés. Ouf. Ok. Tu es deuxième. Temps d'explosion, 5 secondes. Mais attends, on explose. J'explose le défi. Alors que je suis deuxième. Bon bah super. Go, il va trouver sa femme, sa nouvelle femme sur femme, mais grâce au téléphone rose. Non. Pas éviter. Beaucoup trop malsain. Explosion! Attends, et je peux. Je l'ai le. Décapitation! Ah merde, je voulais le. Nice de champ! Décapitation! Macron! Ma mère, je l'ai pas le explosion? Nice de champ! Macron! Explosion! C'est ça, le explosion! Explosion! Voilà! Carte des défis. Allez, on va faire une petite course ici. Let's... Explosion! Let's go! Nickel. Ok, c'est parti. Oui! Explosion! C'est parti. Ok. Oh non! Explosion! Ok, c'est bon, on est reparti. Salut Linkel. Est-ce que je vais dans... Je vais où? Et où la suite? Je peux aller dans le tuyau à droite ou pas? Non, c'est là-bas. Oh non!
Je suis premier là, je suis deuxième. Tu as quoi? Tu es derrière Danny Way. Danny Way. Oh Danny Way. Vous pensez qu'on peut, on peut rouler sur le mur? Oh je voulais, j'ai pas réussi. Ouais. Allez. Danny Way il m'est rentré dedans. Non! Vas-y, j'ai envie de recommencer. Je veux faire une belle course. Je suis un rider de l'extrême. Ok, go. Let's go. Let's go. Dépression. Ok. Macron vaccination. Ça, c'est trop marrant qu'elle gueule ça. Macron vaccination. Oula. Oh c'est stylé quand même. Go go go. Faut que je me la réécoute, c'est plus fort que moi. La vidéo? Ok. Alors attends, on va passer là. On va vite là, on va vite vite vite. J'arrive pas à comprendre les temps qu'il y a écrit en dessous. Genre Danny Way il est 3 secondes derrière nous. Oh là 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 là, ouais, je pense que c'est ça, il est 2 secondes là. Ouh là là. Et Mormine, pleine vitesse. Est-ce que je cut directement par là? Je perds ma vitesse, mais c'est pas grave, parce que je la regagne là. Boum. Yes! Explosion! Explosion! Ouais. Je suis sûr que je peux t'atomiser. On fait des courses ou pas? On va changer de ce type de jeu. On a déjà vendu 50 000 boards, vous vous rendez compte? Trop fort. On a tout ce qu'il faut sous la main. Tu me tiens au courant surtout, hein? D'accord. Ok. Alors, on continue? Faire des défis? Death Race vidéo, boucherie, boucherie. Vous allez kiffer la boucherie, c'est sûr. Et bah bon Morito, Cody Love. Bon bon Morito. Oh non, ça me fait penser à Chiche avec son combien. Avec son combien. Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, on va faire de la boucherie. Ça va être très marrant. Comment on fait déjà? Ah, je crois que je m'en rappelle. LT pour déclencher des chutes au ralenti. On tombe où? Sur des gens. C'est ça du vrai skate. C'est savoir s'éclater la gueule et se péter au moins deux os. En canon de bol. Bah, on a failli tomber sur une dame. Ah dommage. On a raté notre chute. Le judo kick. C'est débile. Un torpedo. Putain, c'est... J'avais oublié que c'était fait comme ça. Le grand aigle. Sur le mec là. Dommage. Casse-toi un os. Casse-toi un os. Là, on va vendre des boards grâce à ça. Super. Normalement t'es mort. C'est ouf quand même, c'est un jeu vidéo mais t'es mort hein, là-dedans. Tu fais ça, t'es fini, t'existes plus. Ça me fait penser à un jeu de PSD où tu devais t'élancer d'une rampe et te sortir par le pare-brise pour aller le plus haut possible d'avoir la personne. Ça me dit rien du tout. Cette musique là elle est vraiment trop bien. Je suis obligé de monter. Hein. Ok. Vidéo défi. C'est trop fort ou pas? Non, c'est très bien. C'est un peu fort quand même. Pro. On est pro. On va. Non, c'est chiant les one-up. Vidéo.
crématorium, ça? Non, c'est l'école. Salut Gamma Toto! Bienvenue. Ah si, c'est le crématorium. Bah ça fait partie du... je crois que c'est un DLC gratuit, ça. Je pensais pas que j'avais cette partie-là du jeu. Ah bah oui, puisque je suis sur Xbox 360. C'est le... D'accord. Ça serait bien que les autres DLC, en vrai. Ah, le transfert, j'arrive pas à le faire. Oh, la chute. J'ai perdu toute ma vitesse. Attends, on va prendre de la vitesse ici. Ah, je peux pas. Ça va être super chaud de faire du skate la nuit, faut un beau éclairage, non? Bah, essentiellement, ouais. Hein. Après, il y a plein de skateurs qui font ça la nuit parce qu'ils sont pas emmerdés. Enfin, ils sont pas emmerdés, si. Ils peuvent être emmerdés en vrai. Mais ouais, souvent les skateurs, ils ont des grosses. Des grosses lampes de chantier. C'est des trucs un peu amovibles que tu peux. Que tu peux te trimballer. Oh là là, mais j'arrive pas du tout, hein. J'ai vu beaucoup trop de films d'horreur. J'aurais beaucoup trop peur pour... Bah non, mais tu vas pas tout seul. Avec d'autres gens, avec d'autres skaters. C'est vous qui font... Les skaters, ils font peur à tout le monde en vrai, des fois. Hein. Ils sont là, ils font du bruit, ils font du skate. Ils s'éclatent par terre, ils rigolent. Ils fument des gros joints, ils boivent de l'alcool. Ils ont... Tout le monde a peur d'eux. Sauf, bien évidemment, les gens qui se baladent avec des faucilles. Qui ont des tronçonneuses dans les mains et un masque de d'éventreur. Là c'est un autre là c'est un autre niveau là. F le Sketos, coucou Zakar. Comment ça va? Ça va le Sketos toi aussi là? J'espère que tu sors le skate avec ce beau temps. Tu rides sévère. La classe. Nous on skate de nuit dans un jeu vidéo. Ça me saoule, j'y arrive pas. Pardon. OK. Hello Wixy. Oh. Mais putain, c'est... J'ai ridé il y a pas longtemps, ouais. Mais on est des faux skateurs, nous. Exactement. Des faux skateurs. En ce moment, moi, j'en fais beaucoup, hein. Mais du faux skate. Du skate de loser. Du skate sans style. Ah, merde. C'est pour ça qu'on préfère rider dans les jeux vidéo. Oh là là, ouais. À quel point je suis nul dans les jeux vidéo, t'imagines, dans la vraie vie? Oh, juste parfait. Bah juste parfait, mon pote. T'as pas une bonne définition de la parfaititude, hein. Mais putain, mais... Je peux pas configurer mes trucks. Je suis sûr que c'est un problème de trucks. Non, je peux pas, bon, laisse tomber. On préfère la vitesse et les grosses descentes. En vrai, moi, quand je vais trop vite par rapport à si je courais, je freine. Hier, il y a deux semaines, je crois, j'allais beaucoup trop vite. Là, je me suis dit, il te reste une seconde dans cette pente pour freiner maintenant, ou alors t'es mort. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je freine. Du coup, j'ai failli m'exploser la gueule. Parce que quand tu vas trop vite et que tu commences à mettre ton pied par terre... Mais vu qu'il y avait un feu rouge en face, il était rouge, je me suis dit, vas-y, non. On évite. Oh.
Putain, mais ça me saoule ! Pardon, ça me fait chier. Sauvegarder, non ! Je veux recommencer, moi ! Je veux y arriver ! Ça me... Voilà, c'est trop nul. On est moins hardi qu'avant, c'est sûr. Oui. Non, mais avant... Hein. Les feux rouges, c'était pas un problème à l'époque. Bon, ça reste moyen un problème, hein. Moi, j'y vais de nuit, de toute façon. J'y vais de nuit, comme ça, il y a personne. Je suis pas emmerdé. Bah, c'était l'autre fois. En gros, je suis dans une ville où le centre-ville, il y a des pavés. C'est insupportable pour le skate parce que en gros tu roules, ça fait ta 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 ta, ça fait énormément de bruit. Et à un moment, je passais en ville, il devait être 2-3 heures du matin, et je descendais le centre-ville à mon rythme. Et là, je vois 20 personnes. Il y a jamais 20 personnes en ville dans ma ville au même endroit à 2 heures du mat. Et du coup, j'avance, je me dis j'espère qu'ils vont pas essayer de me péter la gueule. Et là, j'arrive et je vois, c'est y a 10 flics et 10 autres personnes. Et ça m'a fait trop rire parce que je faisais un bordel monstre. Vraiment, normalement, les flics, je pense qu'ils m'avaient croisé alors qu'ils étaient pas occupés par d'autres gens. Je pense qu'ils m'auraient arrêté. Enfin, ils m'auraient arrêté, ils m'auraient dit, mais mec, tu te rends compte du bruit que tu fais? C'était genre... ça faisait ta 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 ta. Enfin, c'était n'importe quoi. Normalement, j'y vais tout le temps à pied dans cette rue. Et vu qu'il faisait nuit, je me dis, bon, bah, je m'en fous, vas-y, on y va. Mais ça m'a fait trop rire de croiser 10 flics comme ça, là. Ils m'ont regardé. Oh putain. Tu sais que les serveurs online Xbox sont ouverts. Sérieux? Ça veut dire qu'on peut jouer ensemble là? On peut faire un skate? En vrai, la flemme, vous allez m'éclater. J'ai déjà joué en ligne. Il y a des glitches de la mort qui sont insupportables. C'est insupportable, j'arrive pas à suivre la line. Moi je vais aller au super au parc de du rappeur, enfin pas du rappeur mais je sais plus comment ça s'appelle. Oh ça me saoule. J'aime pas ne pas arriver à faire quelque chose. Pourquoi j'y arrive pas en vrai? Y a rien. Vas-y, on y va simplement. On va y aller simplement en holy sans tergiversion. Même en holy, y arrive pas cet enculé. Sans Oli alors. Mais sans Oli, il n'y arrive pas non plus. What? Alors ça, tu l'as passé tranquille. C'est bon. Oh là, j'ai mal pour toi. Oh, c'est un skatepark du premier skate, mais de nuit. Ah ouais? T'avais pas ça. Oh, j'en ai marre. Go. Ouais. Non. Ah ouais, de la balle. Oh, ouais. Mais... Pardon, je m'énerve trop. Voilà, ça c'est pas... On voit que je suis pas bon. Oh là 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 là. Elle est horrible cette mission. Tu la trouves? Tu trouves? Ah, je suis pas le seul à penser ça. Ah, mais par contre, j'ai des souvenirs. Parce que quand j'avais fait le jeu à l'époque, j'avais essayé de la faire à 100%. Pas à 100%. Exploser tous les trucs. Et quand tu dois exploser, il te demande de faire un truc précis à chaque moment. Et je me souviens qu'ici j'ai dû y passer longtemps. Mais là j'essaie juste de le passer, j'essaie pas de l'exploser. Ah ouais, ça le fait, ça le fait. Oh. Et au revoir Cosmix. Bon stream. Hop là. Yes. Oh. J'ai galéré plein de fois dessus, ouais, tu m'étonnes. Après ça progresse en fait, faut juste pas que je m'énerve et que je... Putain. C'est dur en fait de garder la vitesse.
C'est un DLC. C'est un DLC gratuit celui-là. Je sais que j'ai jamais acheté de DLC et que j'avais ça. Et c'est arrivé plus tard dans l'histoire du jeu. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est à moitié un DLC gratos. Yes. Bon, c'est passé. Là, t'as pas fait semblant. Ah, hein. Oh, j'espère que je l'ai, celle-là. J'ai baissé un peu la musique, celle-ci, elle est un petit peu... Bon. Énorme. Explosion. Et non, c'est pas une explosion, c'est juste énorme. Vous avez vendu 75 000. Ok, pardon. Alors, c'est l'outil Fire. Boom. C'est stylé en vrai. Non, moi je veux continuer. On fait des défis. Il faut qu'on vende des boards, ok? On n'est pas là pour déconner. On fait des races. J'adore les races. La course mortelle. Course mortelle égale mort. Je kiffe. Je kiffe la mort. J'aimerais bien qu'on ait les DLC par contre, ça serait trop cool. Ah oui, il a une position hyper voûtée. Bon, 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 bon. Récompense 10 000. Bonus de ligne 2500. Oui, accepté. Y'a pas le bouton accepter. Y'a que refuser. Je refuse. J'accepte. Faut pas accepter. Trouve plus de coéquipiers. Ah d'accord, on n'est pas assez. J'ai pas assez de coéquipiers. Faut être deux. Alors on est deux, non? Dans la team. Bah merde, bah attends, on va trouver autre chose alors. Attends, appeler skater. Seb. Non. Bon bah, je comprends pas, bon c'est pas grave. Carte des défis. Promo d'équipe, on va promotionner l'équipe, on va faire une photo de pub. Qu'est-ce qu'il faut faire? Désolé, photo de merde. En vrai, s'il y a un style. Hein. Ouais, c'est un peu de la merde. Les casse-couilles. Ça, le Trasher Magazine va pas nous le garder longtemps. Yeah, mon pote. Ok. Allez, faire des défis. On va faire de la... On fait un suis-moi avec Rob Dyrnek. Il y en a qui connaissent bien les noms des skaters? Parce que moi, je connais aucun de ces mecs-là. Ah c'est Rob Dick. Non si je le connais c'est Rob Dirktek. Non je regarde, je connais pas. Je te dérange peut-être. Hein? Oh non non non, c'est bon. Y'a pas de problème. Y'a pas de quoi se prendre la tête. En fait y'a quelqu'un que j'aimerais bien vous présenter. Venez avec moi, on va voir mon pote Calis. La voix c'est la voix de qui? La voix ça fait penser à... Une voix qu'on entend partout. Dans les dessins animés et dans les films. Attends, Rob Dyrnek, t'es nul à chier ou quoi? Avance, mec. Rob, franchement. Il est hyper connu, lui. Le mec qui fait la voix ou le skater? Dose-moi ça. Vas-y, je vais te doser, frère. Mais mec, on tourne en rond, t'es conscient? C'est quoi cette ligne? Ah non, je sais pas où on va. Bah mec. Faut que je sois à moins de 50 mètres. Je vais mourir. Oh putain. Oh, j'étais à 49 mètres. On y va vite. Vite, Rob Dyrnek. Pardon, on recommence. Ouais, c'est... Allez, je sais que tu peux arriver à doser ça. Tu peux le faire. Le mec dans la rue, mais je confonds. Ah peut-être, je sais pas.
Après, les skateurs, des fois, ils ont des carrières qui s'arrêtent assez vite, quoi. Parce qu'ils se cassent des trucs, et boum. Genre lui, là. C'est vraiment... Bah, je sais que c'est un vrai skateur connu aux États-Unis. Mais il y a connu et connu, quoi. Il y a connu et connu, je fais des films aussi. Mais oui, je me doute que c'est que des mecs connus. Ils sont pas amusés à mettre des mecs... Mais du coup, il est connu. Moi, je connais pas grand-chose, en vrai. À part René Mullen. Mullen, je sais plus comment il s'appelle. Bob Muska. Y'a pas un mec qui s'appelle Bob Muska, mais c'est trop vieux, ça. Je crois que c'est trop vieux, ces mecs-là. Ils ont 200 ans, je crois. Ils ont 2000 ans. Après, Skate 3, ça a 12 ans, quand même. Bah, c'est pas Tony que je connais pas. Ah oui, il y a Tony Hawk. Sa compagnie a le record du monde du plus grand skate construit. Ah, trop drôle. Rob Dyrdek. Merci Rob. Gardez les filles. On va se faire un pro. On choisit un autre pro. Vous connaissez un des pros là? Ah bah oui, Darren Navarrete, le célèbre skater Darren Navarrete. Je l'aime beaucoup lui. Il s'est démarqué lors d'une conteste de transition en 72. C'est lui? Il a l'air cool. Faire quoi? Envole-toi sur la Death Box. Grind nous passe au-dessus des marches. Je m'envole sur la Death Box. Je grind du space au-dessus des marches. Attends. Faut que je fasse un handplan dans la piscine, c'est ça un handplan? Ouais. Merde. Alors, j'ai pas le style. Oh bah c'était pas mérité. C'était pas mérité. Alors on va faire de la vitesse. Bah, je veux de la vraie vitesse, mec. Darren, c'est le nom de mon chien, au secours. Ah, pourquoi au secours? Pourquoi au secours? Il est connu, il fait du skate? Vous êtes trop bien d'avoir un chien skater. Parce que maintenant je vois mon chien sur une planche, ça me terrifie. Les chiens skateurs, il y en a qui sont trop forts. Ah non, trop forts, non. Mais ils arrivent à rouler, quoi. Ok. Yeah. Tape-moi en 5, mec. Yeah. Ok. Bon. Carte des défis, on va encore faire du professionnel. On va aller voir Josh Callis. Incroyable, Josh Callis, le plus grand. Le plus stylé, lui, c'est un de mes meilleurs potes. Absolument pas, je le connais pas. Salut Callis. Salut Bobby Diesel. C'est trop marrant. C'est quand tu connais vraiment le milieu du skate, tu dois connaître tous les noms des gens, ça doit être trop stylé. Moi, je connais personne, donc ça me fait marrer un peu. Bobby Diesel. Ah. Ok. Bah, un chien, techniquement, il... Si tu sais pas rouler sur un skate, un chien peut facilement être plus fort que toi puisqu'il met ses quatre pattes dessus. Donc niveau équilibre, c'est quand même vachement plus simple. Sauf si c'est un gros chien, là il galère. Ah mais... Pam 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 pam. Oh. J'arrive pas à... Oh, à la limite, je fais pas ça. Je vais faire autre chose. Je vais faire un truc plus stylé. On va faire ça. Mais casse-toi, Callis. Attends, comment on fait pour l'exploser? Je vais essayer d'exploser direct. Non, on peut pas. Nose blunt. Faut faire un nose blunt sur les deux. Nose blunt, faut mettre le nose. Mais blunt, ça veut dire du mauvais sens, c'est ça? Attends, je vais essayer de faire. Est-ce que c'est ça qui l'attend?
Et putain de marche. On va faire un nose blunt. On va nose blunter mon pote. La pub elle me fait peur là. Elle est bizarre la pub noire. Oh là là. C'est dur. Mais la musique est cool. Du coup ça m'enjaille. Oh là là, il y a eu un lag. Non, ouais, le mec il trouve des esprits. Ok. Ah, j'ai fait un nose blunt, c'est bon. Et l'autre, là, de l'autre côté, je crois que j'y arriverai mieux. Mon pouce est meilleur pour ce genre de nose blunt. Oh non, j'ai raté, dommage. Vas-y, on peut recommencer du coup. Je le refais. Ah mais c'est pas possible. En switch. Est-ce que c'est considéré comme un nose blunt quand on est en switch? Oh non, fait chier, j'ai raté ça. Bon, dommage. On se barre. On l'a pas explosé mais on l'a pris. Nose blunt du coup, ce qu'on pas suivi. Nose, c'est quand tu dis l'avant du skate c'est le nose, l'arrière c'est le tail. Et blunt. C'est le fait de faire un truc bizarre. Mais ça, je sais pas comment l'expliquer. Dirdek, on n'était pas censé retrouver Danny? Ah ouais, c'est vrai ça. Dirdek. Prends ta caisse, Rob. Le mec s'appelle Dirdek. Bravo, tu as vendu 100 000 boards. Mais c'est trop bien de vendre des boards. Attends, 100 000 boards, tu te fais combien de... On fait combien de bénéf par board? On devient méga riche là. Notre prochain skater, on l'appelle comment? La prochaine personne qui parle dans le chat, il fait partie de la team. Ce sera... Mon dent. Qui sera la prochaine personne à parler dans le chat? Attention. Le FD bot. Personne veut venir dans la team. Ça. Vas-y, bah je vais mettre Francis. Allez, let's go Francis. Ça me va. El Francisco. Le France. Merde. Les gars Francis. Allez Francis. Ouh. Il aura une tête de... J'ai envie d'un peu un mec un peu fun. Lui, je pense qu'il est fun. Lui, il est fun. C'est sûr, il est fun. Yeah. Allez, Francis. Eh ben, on va choper d'autres pros, nous. Garde des faits. Pro. Un one-up. One-up, je crois que c'est ce qu'il faut. Gagner 3 manches. Ça, pour l'emporter, c'est un BO... Un BO5. Un BO5. Je vais pour le moment... Je file, merci pour ce moment et bonne fin de stream. Et bah au revoir Frozen, gros bisous à toi. Adieu. Sandra Milona. Regarde-moi bien. Allez Joey Brzezinski. Allez Joey, montre-nous. Montre-nous de quoi t'es capable. Un holly avec un BS slip. Mouais. Encore un holly, mec, tu sais faire que ça. Un 50-50, ah ouais, classique. On part sur du classico. Un petit nolly kickflip quand même, il y a du level. Un holly FS Feeble. Oh, le nolly hard flip qui fait du bien. Ouais, Mike Carroll m'a appris ce trick. 1000 points. C'est plutôt cool. 1000 points, je pense que je te fais ça en un trick, frérot. En un seul trick, je te pète la gueule, ok. Are you ready? Te casse pas la gueule. Ouais, je vais essayer de pas me casser la gueule. Oh merde, j'ai mis la board à l'envers. Bah au moins je suis pas tombé. Je me suis trompé de bouton. Lâche pas ton taf, hein. Oh, je reviens pas que tu l'aies fait. Ah merde, attends, mais je vais rater, bah c'est bon. Oh la vache. Mon ego prend cher là. Ok, c'est bon. Franchement, je me sens pas là. J'ai fait de la merde au début. Franchement, je sens pas là. Est-ce que tu fais plus de 2000? J'ai fait 2000. J'ai galéré à faire 1000. Hey, et 3 secondes après, j'étais à 2000. Mais mec, tu fais que des hollies. C'est nul. Tu te rends compte que t'es pas du tout un skater pro? T'es rien du tout, Joey Brzezinski. Ok, sale noob. T'as pas autre chose? T'as rien d'autre? T'as rien d'autre dans les gibbles, frérot? Quel noob. On a un seul truc. Ouais, on y va. Malheureusement, j'ai raté mon trick. Mais au moins, je tente des trucs. Lui, il rate pas, mais il tente rien, en vrai. Joey là.
Oh, on va tenter un truc. Oh, stylé. Allez, non. Bon, ok, je lui ai mis 500 points. Je les ai pas eu, les 500 points. Ça s'est arrêté juste avant, merde. Martin. Coucou, Martin Pézeri. Ma patronne vient de m'envoyer un message. Super froid. Je crois que je vais me faire virer avant même d'avoir commencé la saison. Ok, t'as dit quoi? Trop bizarre. Oh, oh, il nous a one-up, le gars. On va le contre-one-upper. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ça claque, hein? Ça claque, frérot, ouais. Clairement, là, tu nous as montré du vrai skill, Joey Brzezinski. Brzezinski, pardon. J'ai fait mon taf, à toi. Wow, c'est classe. J'ai plus qu'à déclarer forfait si j'ai bien compris. La vache. Yeah. On va peut-être gagner, ouais. Wow. Le one-up, c'est bon, presque gagné, hein. Ouais. Ta patronne, t'as dit quoi? T'as dit genre, ne viens pas demain. Ça ne sert à rien. Je vais me débrouiller seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Voici ton contrat. Voici ton formulaire de fin de contrat. Au revoir. Bonne soirée. Magnifique, c'était la fin. Ouais, c'est vrai. Oh, le noob. C'est sale, hein, ce qui nous sort. C'est pas beau. Elle devait m'envoyer des notifs de mon contrat le week-end dernier. Je pouvais pas la joindre avant aujourd'hui. Elle l'avait pas fait. Je lui laisse un message vocal pour lui demander si c'est toujours ok. Elle me répond avec deux SMS de ligne. Je me dis clairement qu'elle n'avait pas que ça à faire. Ah oui. Non. Ah. Allez, vas-y, mec. Lâche tout ce que t'as. À moi. Bon, elle est peut-être frustrée de la life, mais bon, si elle a pas que ça à faire, ça veut pas dire que... Ça veut dire justement qu'elle a besoin de toi. Réponds-lui, ah bah, je pourrais venir pour vous aider, s'il vous plaît. Allez, vas-y, essaie d'en faire autant. Comme ça, vous aurez peut-être le temps de faire mon contrat, MDR. Je ne travaille pas pour rien. Bon, ouais, tu dis un truc comme ça. Tu es gentil, mais oh, en même temps, tu lui dis calme-toi. Géré. Calme-toi, grognasse, là. Tu me parles bien, sinon je t'en colle une. Non, j'ai fait zéro. Faut que je fasse 2000 points vite. C'est terminé. Putain, mais tain, pardon. Ça m'énerve. J'aime pas perdre. Surtout contre des IA de merde. Surtout Joey Brzezinski là. Sale Joey là. Je lui sors ça, c'est qui tout double. Ouais. Essaie de faire mieux. Ta gueule, Joey. Mind-toi. Il est badass, hein, Joey. Je pars, bonne fin de stream. Salut, t'es fire. Bonne fin de vie. Non, je rigole, bonne fin de journée. Oh, c'est le Clis. Oh, il a fait un truc stylé, hein. Judo foot plante. Ça, c'est beau, ça. Donner du fil à retordre. Vas-y, donne-moi du fil à retordre. En deux trucs, je t'éclate, mon gars. On part à gauche, non? Non. Bon, t'as vu? Tu comprends maintenant? Oui, je comprends maintenant. Mais putain! Oh, mais ça m'énerve! Pardon, c'est tellement chiant. Les one-up, c'est nul parce que tu te fais chier à attendre que ton pote joue. Et en plus, tu fais une erreur, c'est perdu. Je vais t'éclater, Jean-Dylan. Joey Brzezinski, sale bof! J'ai pas envie de perdre. Faudrait tout recommencer si on perd. Qu'est-ce que t'as fait 100 points, mec? Ok, t'as fait 1000. Pour ce trick, faut un peu d'imagination et allez, de la technique. On va utiliser notre imagination. Allez. Allez, Joey. Joey, t'es mort. Je te prends. T'es mort. Te casse pas la gueule. Vas-y, continue comme ça. Ouais, bon, c'était pas non plus grandiose.
3000. Arrête, c'est un truc de vidéo, c'est trop dur. Salut Cilia GRQ. Non, GRQ, si, exactement. Bienvenue. Bienvenue à toi. Eh, hey, essaie de me battre. C'est gagné. C'est gagné là. Il fera jamais 3000. S'il fait 3000, il fera pas 3000. Et s'il fait 3000, il fera pas 3000. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je vais recommencer. Je vais me mettre là et je vais repartir sur de bonnes bases. J'ai plus que 3 secondes, c'est parfait. Il a fait 162 points. Sans tomber, hein, sans tomber. C'était vraiment cool de ce qui était. C'était vraiment cool de faire 160 points, mec. J'ai vraiment kiffé, c'était vraiment mon meilleur moment. C'est le meilleur trick. Yeah. Boum. Joli. Digne du Timadio. J'aime bien cette musique, elle est cool. On va avoir des pros encore. Des pros, 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 pros. Nous sommes des pros. Denis Buzenidz. C'est une course contre un pro. Allez, on va lui prothéser. On va le prothéser. Salut mec. Ça veut dire de faire une course. Nous on est à... Moi je suis un rider. La Pomereda et sa tignasse. Adidas. Bon, j'allais me taper cette descente. Une petite course. En vrai, c'est pas mal... malaisant la façon dont ils se proposent ça. Oh, t'as perdu tes potes. Je vais faire une course, tu veux venir? En vrai, ça paraît naturel en vrai. Alors que normalement, tu t'attends à un truc hyper malaisant en mode salut mec, ça te dirait de faire une race avec moi? Ouais, carrément. J'adore la pof, mais il y en a pas trop parce qu'il y a pas de neige, mec. Ah ouais, d'accord. Viens, on ride. Tu vois, ça, ça serait vraiment... Ils auraient pu rentrer dans ce cliché-là et c'est pas été ça. Et ça, c'est cool. On voit qu'ils aiment le skate, les gens. Oh, ils aiment le skate. Non, ils sont pas trop cons, quoi, plutôt. Ok. Allez. Ça lag, il y a des petits, j'ai des petits ralentissements. Mais ça va, c'est pas des ralentissements trop chiants parce qu'ils ralentissent le jeu. Et c'est pas comme si c'était un lag. Je sais que mes inputs, ils vont arriver. Oula. C'est vrai qu'ils ont fait un bon travail sur l'écriture, les doubleurs. En... Ouais, en vrai, c'est cool. Hein. Une brise. C'est vraiment... Ce jeu, c'est vraiment à la frontière entre... Oh. Entre la simulation et l'arcade, quoi. C'est assez arcade pour pouvoir s'amuser. Et c'est assez simulation pour... Bah, pour être stylé, en fait, je pense. Parce que quand tu vois Tony Hawk... Moi, je peux plus jouer à Tony Hawk, hein. C'est nul. Explosé. Explosion. 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 Macro. Trop bien. T'as besoin d'un nouveau... Je me suis mute. Non, c'est bon, je suis réparé. Je pense qu'Adidas dirait pas non. Je pense Dabida. Valérie Dabida. Prendre le quartier. Vidéo. Death Race. Je veux faire des pros encore. On va faire du jam. Slam jam. C'était jam jam. Petit retour en 2020. Ah oui, c'est en 2020 ça. Je ne savais plus que c'était en 2020. Non, je ne savais plus que c'était en 2020. Oh, super ultra méga parc, mon pote. Dites-moi, ce serait pas ce super méga extra giga super parc gonflé aux... Eh ouais, mon pote. Vous pensez qu'il y a... C'est quoi le plus parc le plus stylé au monde? Aux États-Unis, il doit y avoir des trucs de baiser quand même, mais pas un truc comme ça, c'est pas possible. On est d'accord que ça peut pas exister, un parc comme ça. Il y aurait des morts toutes les secondes. Je suis sur One? Non, je suis sur PC. Mais avec le Xbox Cloud Gaming. Parti. Parce que je suis un cloud gamer. Oula. Heureusement que je suis en mode facile, hein. Ça passe.
Oh, faut que je hurle à chaque fois que je rate, hein, parce que sinon je vais hurler tout le temps. J'ai une minute pour arriver jusqu'au bout. Je devrais le faire. Le cloud d'Xbox est plutôt bon niveau input. Bah là ça va en vrai, j'ai pas à me plaindre. Enfin, ah, tu m'as eu. Je pensais que j'allais... C'est pour ça que au début je voulais jouer sur émulateur pour justement pas avoir le problème de l'input lag, mais là, en vrai, ça se joue. À mon avis, si t'es rigoureux, c'est un peu... Il y a quand même un délai assez vénère, mais... Faut que je te branche avec d'ici. Carte des défis. Il va me brancher avec DC. Oh, on va avoir des bonnes grosses chaussures DC là, le kiff. On va faire une petite vidéo. Du moins, la sortie du prochain. À mon avis, le prochain, on n'est pas prêt de le voir à Billbock. Hein. Billbock. Désolé, je suis un cinglé de Skate 3. Moi, j'adore Skate 3. J'ai joué beaucoup. Mais j'ai joué beaucoup sur Xbox 360. Cool. Moi, je jouais à l'époque. Je faisais des parcs. Je sais pas s'il y a... Non, mes parcs, ils ont été supprimés, non? Ils y sont plus? Tout ce que j'avais sauvegardé sur le EA, je sais pas quoi. Oh non. Ah, oh, fallait grinder le rail. Fallait grind. 5000 okay, ah ouais. Fais voir ce que tu sais faire. Est-ce que Shaolin, tu joues en ligne? Je me rappelle qu'en ligne, moi, je jouais beaucoup sur le mode skate, S-K-A-T-E. On faisait des skates et c'était les mecs faisaient des glitches de l'espace. C'était n'importe quoi au bout d'un moment, le jeu, ce que c'était devenu. Oh merde. Et j'ai même il y a un glitch que je sais faire, qui est pas compliqué. Que je peux vous montrer. Oh putain, mais c'est pas possible, je vais trop vite. Cool, alors on y va. Comment ça le live s'appelle On va rider MDR? Ouais. Ah on ride non? Ah c'est pas on va rider, c'est on ride. J'aurais pas dû mettre au futur. Mais pistache. Vas-y, on est trop nuls, du coup on fait comme ça nous. Ah non, fallait sauter. Ça a été annoncé il y a 2 ans bientôt. Est-ce que t'as vu sur Twitter? J'ai vu, il y a des news qui sont tombées sur Twitter il y a pas très longtemps. C'était genre... ils en sont à l'étape de rien du tout. Hein. Enfin, non, si, à l'étape de... Ils enregistrent des skaters. Ils ont rien à proposer, hein, visuellement, sur le jeu. Bon. Bien joué, t'as réussi. Tu fais quelle pointure? Parce que je vais appeler America et je vais te recommander mon truc. Alors attends, je vais vous montrer le glitch que je sais faire. Oh le glitch, pas dur. Hein. C'est un tout petit truc, mais c'est le seul truc que j'avais appris. C'est dans... Faire des défis. Lieu. On va aller dans la zone universitaire et c'est genre... le pavillon de Peters. Attends, je vais aller à l'entrée du campus, je sais que c'est pas loin d'ici. Pas loin de là. Avec le quarter, tu le mets par terre, tu poses la board derrière avec la gâchette, tu maintiens RB et tu cours. PY. Attends. Avec le quarter. Ouais, non, en vrai. Vu comment tu. Enfin. À l'écrit, c'est ici là. Attends, je vais vous montrer déjà le truc. Normalement, ici, il y a une étape de skate. Donc, skate, c'est quand tu fais un jeu où tu dois faire des figures et les gens doivent faire les mêmes choses que toi. Et si tu. Si tu fais ça. T'as un boost de vitesse. Enfin, normalement, on n'a pas de boost de vitesse comme ça. Et il y a des gens, quand ils faisaient leur truc là, ils gagnaient de la vitesse comme ça. Ah, attends, je vais essayer de leur faire. Leur faire mieux. Ah, j'ai raté. Le blunt. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, normalement, en gros, il y a un jeu où faut.
ou faire des figures sur ce cercle là. Et la meilleure figure que tu puisses faire, tu peux pas faire grand chose quoi. Ouais, tu peux pas faire des trucs de malade, enfin, c'est pas trop ouf. Mais avec la vitesse que prennent les gens, ils te font des doubles backflips ou des trucs comme ça. Et donc du coup tu peux pas faire un... Mais ça fait trop longtemps que je sais plus faire ça moi. Ah, attends. Oh, putain. Je suis empoté hein. Hop là. Bah bon, je sais pas faire. Bon bref, garde des défis, on fait autre chose. Nous on va jouer, on va apprendre à faire le jeu. Death Race course mortelle. Attends, on va... Oh, une course mortelle ? Let's go. On a failli écraser des gens en vélo. What ? C'est pas bien ça ? Fais gaffe hein, quand tu conduis. Hein. Après, à moins que ce soit des vélos qui fassent n'importe quoi, donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Tant que t'écrases pas des skateurs, aucun problème. Ça sera Cosmix en vélo que tu vas croiser. Ok. Ça fait, je trouve ça cool en vrai les bruitages du jeu. Oups. Il manque des chutes un peu plus réalistes et ce serait parfait ce jeu. Score d'équipe 10. John Cardiel, c'est vraiment le skater le plus naze du monde. Attends, je sais même pas si c'est 10 vraiment ce genre. En tout cas, John Cardiel, il craint. carte de défi. Death Race. Courser sur les toits. J'adore courir sur les toits. Bam bam. J'ai envie qu'on le fasse là. Oh, on fera des skateparks de ouf. Hein. Je veux faire un skatepark de trop bien. Quand j'étais petit, j'en faisais plein. J'aimerais bien les retrouver, mais je crois qu'ils sont irretrouvables. On y va, mon pote. Toujours la même board depuis le début. Allez. Ok, à gauche. Ok. C'est stylant, ouais. Faut aller où? En bas? Ok. Explosion! Yes! On est au bar, elle a pris un Virgin Mojito, je lui ai dit que c'était que le Mojito qui est Virgin. Oula, grosse vanne. Ça c'est de la grosse vanne. Ouais, coucou Sacha Ketchup! Bienvenue. Oh. Hop là. Yes. Let's go. Death Race. On fait toutes les Death Race. J'adore les Death Race. Les courses de la mort. Salut, ça va? Salut, Super Link 22. Ça va et toi? Comment tu vas? T'es venu pour du ride? Tu peux ranger ta trotte et sortir le skate. On est prêt. On est prêt à t'accueillir, frérot. Hop là. Oh,
Bah ouais, je l'ai fait le holly pourtant. Pourtant j'étais sûr d'avoir réussi, enfin c'était bizarre. Ah peut-être du délai. Peut-être du délai avec la main. Enfin je sais pas. Ouais. Voilà, le mec dès qu'il rate un truc il dit que c'est le délai. Superbe. Ça fait grave bully. Mais... Oula. On n'a pas forcément trop la même définition de bully je pense du coup. Ou alors tu t'es jamais fait bully de ta vie vraiment. Salut maraudeur. Est-ce qu'il y a un mode histoire? Non. Il n'y a pas d'histoire. Voici l'histoire, c'est vendre des planches. On est des vendeurs de planches nous. Yeah. Vas-y, je recommence, j'ai trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir... Ok. Ok les losers, vous allez morfler comme c'est pas permis. Allez hop, raison de plus, c'est bon. Tranquille quoi. Bon bah au revoir. Bye bye. Alors... Mais c'est pas possible! J'ai fait un holly de malade pourtant! J'allais trop vite en fait, c'est ça? J'allais trop vite, j'aurais dû freiner avant d'arriver. Allez! Ah! J'ai raté une porte. J'ai raté deux portes. En fait, on s'en fout des portes, non? Il y a des malus quand on les prend pas? Allez, compagnie. Coucou, Noob. Comment tu vas? Et merci pour ton follow, Cédarman. Cédarman. J'ai gagné, j'ai perdu. Mais en même temps, c'est pas de ma faute, c'est mon pote, il est nul. Trotty boy là. Bah voilà, encore un connard en trottinette. Il est trop nul. Putain, on est fait de recommencer à cause de Trotty boy. Trotty boy, le loser. Mais oui, il faut jamais se trimballer des mecs en trotte quand tu fais du skate. Trop des noobs. Trop des noobs. Et lui, il devait pas finir à 17h. Ouais, en fait, non. Je me suis trompé. 18. Ça vous va? 18. Je sens que t'as envie qu'on arrête. T'as envie que le live s'arrête, là. On va peut-être arrêter, du coup. Pour ton plus grand plaisir. Je crois que les portes, elles servent à rien, en vrai. Oh là là, j'aurais tellement dû mourir violemment, là. Trotty boy, le loser. Un débile en trottinette, un parisien quoi. Ouais, les parisiens ils sont aussi... Ils sont débiles tout court, non? Non, je rigole, pardon. Et en vrai, faut pas que j'insulte les parisiens, vous êtes beaucoup les parisiens quand même. Il y a beaucoup trop de parisiens pour avoir le droit de me foutre de leur gueule ouvertement comme ça. En vrai. Et coucou Majana en tout cas. Bienvenue. Boom.
Kaboom. Alors, 4-2. Superbe. 4-2, ça fait plaisir. 200 000 boards vendus. Oh là là, on est des gros vendeurs de boards, nous. Oh là 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 là. 200 000, vous vous rendez compte de ce que ça représente? 200 000. Tout le monde nous kiffe. On est les boss du skate game. On va avoir d'autres pros. F, il n'aime pas les Parisiens. Non, j'aime pas Paris. Mais j'ai des potes, ils sont parisiens, ils sont très gentils. Mais en globalité, quand tu rencontres des Parisiens, super, à bientôt. Des fois, c'est pas forcément dans les meilleurs contextes. Quand tu les rencontres, c'est juste parce qu'ils t'ont rentré dedans en voiture, ou tu les rencontres parce qu'ils t'ont klaxonné violemment, ou tu les rencontres parce qu'ils t'ont insulté. Pas forcément ouf. Mais il y a des gentils Parisiens. Comme il y a des gentils... Il y a des gentils tueurs en série, hein. Non, il y a pas de gentils tueurs, je sais pas en vrai. Non mais je rêve. On y va tranquille, là. Qui aime les Parisiens? Bah les Parisiens. Oh ouais. C'est à part à Paris, quoi. À toi. Mais c'est vrai que quand quelqu'un vient visiter la France, qui vient d'un autre pays, moi j'irais pas lui dire bah, Paris, faut y aller, parce que c'est Paris, quoi. Les touristes, ils adorent Paris. Mais faut pas leur... Enfin... Tu sais pas ce que c'est que la France si t'as été qu'à Paris, quoi. C'est... Tout ce qu'il y a de plus pourri en France, on le retrouve à Paris. Mais il y a aussi des bonnes choses à Paris. Sérieusement ? Tu mets la barre haut, là ? France, Paris. Non, en vrai, non. Mais ça ressemble tellement pas à la France, quoi, Paris. Faites place, faites c'est vraiment place. La seule ville qui déconnecte totalement du reste de la France, en vrai. À part Nancy, il y a un point commun qu'on a entre Paris et toute la France, c'est qu'on râle. Je pense que Paris, je pense que c'est la ville où ça râle le plus. Et c'est aussi la France, ça doit être le pays où ça râle le plus, je pense. Hein. C'est quoi le pays où les gens râlent le plus, à votre avis, dans le monde? Ça marche, je prends. Je pense que c'est la France. Hein. Putain, je crois que oui. Hein. La Seine t'attend. La Seine t'attend. La France. Self love, meilleure chose. Self love. Je peux y aller? Avance. Oui, c'est bien en vrai. Bah de toute façon, vaut mieux s'aimer soi-même, même quand t'es parisien. Vaut mieux s'aimer soi-même que aimer vraiment personne, hein, parce que sinon c'est un peu triste ou non. Oh, sans déconner. Ah la Chine en tout cas. Bah la Chine ils râlent mais on les entend pas. Enfin oui. Comme en mon avis en Corée du Nord ça doit. Bah c'est vrai que ça râle pas en Corée du Nord, on les a jamais entendu râler, hein. Mais ils sont peut-être pas forcément hyper contents. C'est la culture, hein, la culture du rallying. Mais c'est vrai que nous on est tellement habitués à râler qu'on sait très bien que même quand on râle on est content. Donc en vrai... ça veut rien dire de râler. On râle, on fait que ça. Oh dude, je passais mon temps à râler sur Skate 3 là à chaque fois que je rate, et pourtant j'adore. Et ouais. À moi. C'est marrant parce que ton pseudo il ressemble beaucoup aussi au mot frelon. Flir frelon. Je pense que si tu te changeais de pseudo tu t'appelais Baleille, et bah t'aurais plus d'abeilles. Et les abeilles c'est peut-être moins méchant. Oh quoi que si quand même. Non bah je change pas de pseudo, t'auras que des frelons, c'est déjà pas mal. T'auras à fond de gérer. D'après quelques études relativement récentes, la France arrive en première ou seconde place du pays le plus pessimiste. Bah ça se trouve c'est pas pessimiste, c'est juste réaliste. Ça dépend sur quoi. Les gens ils pensent qu'il y a certaines personnes qui sont pessimistes. Mais non, ça veut dire réaliste. Quand tu fonces dans le mur, tu fonces dans le mur. T'as beau mettre des beaux décors autour du mur pour avoir un beau mur. Ah, le truc c'est que tu fonces quand même dedans. Des fois, le pessimiste a quand même une sacrée part de réaliste. Enfin, d'être conscient des réalités. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'avec moi, il y a du niveau. Il y a qu'en France où on dit réaliste à place de... Ah ouais ? Ah, on verra, hein. On verra comment ça va évoluer, le monde.
C'est stylé de descendre un parking là comme ça. J'aime beaucoup descendre les parkings. On m'appelle le parking descendeur. Ça. Oh non! À plus. Non! En plus c'est la fin, je suis sûr. Oh c'est la fin, je suis tombé juste à l'avant la fin. Quand on France, on dit réaliste à la place de pessimiste, mais c'est réaliste. Trop bien. Ok, go. On tourne direct, hein, je m'en fous des portes en vrai. C'est marrant, un truc avec des portes, mais si tu les prends pas, c'est pas grave. C'est comme si tu faisais du slalom au ski, et genre, bah, si tu prends pas les portes, bah, bon, tant pis. Hein. Paf. Oh, en même temps, c'est chiant à prendre. Hein. Les portes, tant pis. Oh là là, il fallait que je prenne la rampe, je l'ai pas prise. Je me souvenais pas de ce mini-jeu. Ça là ? Je veux savoir de quoi vous parlez, je suis belge. T'as jamais été à Paris toi ? C'est vrai que moi, en vrai, je suis jamais allé en Belgique. Je suis même pas allé à Lille, je crois. Ça doit être cool Lille, je pense, il doit y avoir une bonne ambiance. En Belgique, j'ai rien, on va goûter les frites belges. Ça me ferait kiffer. Des bonnes frites belges là. Ça me fait chier de me péter la gueule. Allez, oh vas-y, recommence. Lille c'est festif. C'est vrai que ça doit être... J'ai des beaux échos de Lille. J'ai quelques amis qui sont allés ou qui ont au moins vécu. Enfin qui ont vécu et apparemment il y a de la bonne ambiance. Les frites belges sont plus salées que celles en France. Ah moi c'est pas pour la salitude que ça m'intéresse, c'est pour la cuisson. Après il y a des bonnes frites en France aussi mais... Ouais, par contre, moi, les trucs trop salés, ça me fait chier. Moi, je mange très peu salé. Parce que je sais que le sel, c'est pas bon pour la vie. Ça bouche les artères, c'est pas ouf. Après, bon, quand on mange en modération, ça va en vrai. Mais je sais que tout ce qu'on bouffe, c'est déjà beaucoup trop salé. Tu perds les saveurs des choses avec le sel. C'est d'éviter d'en prendre. Je mange très peu salé, moi, en vrai. Paulinette, bienvenue sur cette explosion. Explosion. Bienvenue à toi Paulinette. À part me cramer les lèvres, je vois pas à quoi ça sert. À quoi ça sert sur les frites. Elles sont pour moi des bonnes frites. Ah le sel c'est cool. Moi je mets du poivre dans les frites parce que je trouve ça trop bon. Mais des bonnes frites. Déjà t'as pas besoin de sauce. Il y en a ils mangent que des frites avec des sauces. Moi des bonnes frites, y a pas de sauce déjà. No sauce. Bonne croustillance, mais un peu de sel quand même, c'est bon. Enfin, moi j'en mets toujours dans mes frites. Ça te crame les lèvres toi par contre le sel dans les frites. Ça te crame les lèvres. Ah, tu dois en mettre beaucoup trop. Non? Parce que attends, pour que ça te brûle les lèvres, faut quand même y aller, non? Moi c'est des fois les pizzas. Les pizzas quand c'est trop chaud, ça me brûle le palais. Et je suis trop con, je continue à en manger. Et donc du coup j'ai le palais complètement brûlé. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Ça prend un peu de temps à se réparer.
Esprit des patates douces, une tuerie. Ah, moi j'aime bien mélanger les deux. Parce que patates douces, je trouve ça... Je sais pas. C'est chiant les patates douces, c'est trop dur à couper. Les patates douces, c'est pas doux. C'est vraiment le légume qui tient hyper mal son nom. T'as rien plus doux qu'une patate douce. T'as rien de plus dur qu'une patate douce. C'est pourquoi ça s'appelle la patate douce, je sais pas. C'est au niveau du goût, c'est doux. Alors qu'une patate, déjà, c'est doux, non? Non, toujours chez les gens, chez moi, je mets pas de sel. Ah ouais, non plus. Ah ouais, je sais que je me fais juger quand je mets pas de sel. Les gens, ils veulent toujours ajouter du sel dans les plats parce que machin, il y en a pas assez. Les gens, ils s'habituent. Enfin, je pense. Enfin, en tout cas, les gens que je côtoie, ils sont habitués à manger très salé. Et moi, justement, je me suis habitué à l'inverse. Si, en vrai, je mange épicé de ouf. Enfin, j'adore manger épicé. Genre des bons piments. Des bons gros piments, du coup. Donc, ça, c'est vrai que ça. C'est aussi un exhausteur de saveur qui est un peu particulier, quoi. Selon les variétés de patates douces, le goût est hyper différent. Ça, je savais pas. Je t'avoue. Après, j'en mange assez peu, moi, des patates. Sérieux. Je mange pas souvent des patates douces, en vrai. On a bien vu que t'aimes les piments. Non, mais ouais, mais dur. Enfin, dans la cuisine. Là, c'est de la merde, hein, de faire pendant des lives, là. C'est vraiment juste pour le fun, ça vous fait rire, vous êtes content. Mais ça a aucun intérêt, en vrai. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Faire mille fois celle à la chair blanche que celle à la chair orange. Ah bah comme quoi, bah moi je mange que de la chair orange. Enfin la seule que je connais, c'est la chair orange. Mais du coup ça se trouve, c'est difficile à trouver des patates douces blanches. Modérément le sel, mais il faut quand même en mettre, sinon on sent rien. Bah non, ça dépend ce que tu fais. En vrai, apprends à manger sans sel, tu verras, tu vas découvrir le goût des aliments. Tu vas découvrir le goût des aliments. Moi, mes pâtes, je mets pas de sel, hein, ni dans l'eau, ni dans les pâtes, hein, elles sont très bonnes. Hein. Après, je fais des sauces aussi souvent, parce que je mange pas que des pâtes crues, mais... Du riz, pareil, je mets pas de sel, ça sert à rien. Après... C'est vrai, quand t'écoutes les grands chefs cuisinés, ils en mettent tous, c'est un primordial pour eux. Mais c'est pas parce que t'es un grand chef que t'es pas un connard. Non, je rigole. Mais moi, c'est vrai que je préfère sans sel. En vrai, c'est difficile au début de s'adapter sans sel parce que ça paraît fade. Mais quand tu adaptes ton palais, enfin quand ton palais il évolue et qu'il commence à découvrir les vraies saveurs des choses, bah t'as pas besoin de sel en vrai. C'est pas fade du tout ce que tu manges. Enfin, ça dépend ce que tu manges, mais bien évidemment. On doit pouvoir trouver des planches dans les épiceries spécialisées, je pense. Des épiceries spécialisées dans les patates douces? Non? Spécialisées dans quoi? Au Japon et en Corée, ils ont des blanches. En France, on a des oranges. D'accord. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. On l'a pas déjà faite, cette course? J'ai l'impression qu'on l'a déjà faite, non? Salut, j'ai déjà joué, mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire, tu m'as expliqué. Dans skate? On va faire du skate. C'est pas très compliqué, en vrai, hein. Là, en vrai, d'un point de vue concept, on fait du skate. On skate. Donc, en gros, il y a un monsieur, il est sur une planche à roulettes. Et il skate. Tranquille. Ça va, en vrai. D'un point de vue difficulté à comprendre, je pense qu'on est dans le stade 0. Mais bon, je suis belge, du coup je suis habitué à manger salé. Alors j'avais jamais entendu parler que les Belges mangeaient beaucoup plus salé que les autres, mais tu peux venir de n'importe quel pays et décider de manger comme tu le sens, hein. Tu sais, il n'y a aucune... Tu fais comme tu le sens, aucun souci. Hein. Si t'as des mauvaises habitudes, tu peux les changer. Hein. Tu sais, si t'habites dans un pays où tous les gens sont des connards, genre... J'allais donner un pays de merde, mais non, j'en ai pas. T'es pas obligé d'être un connard parce que tous les gens de ton pays sont des connards. Hein. Je sais pas si tu vois le concept. Et pareil pour le sel, quoi. Tu peux te démarquer un petit peu, ça fera pas de mal. Hein. Non.
Oh, je recommence. Spécialisé dans les légumes rares, je sais pas trop. Dans les trucs un peu bio comme des légumes moins communs, je pense. Après, l'avantage d'une patate douce, c'est que limite tu peux le commander. Ah, tu peux le. C'est des légumes qui se conservent quand même plutôt pas mal. Et donc, du coup, tu peux. Si vraiment tu veux goûter ça et que t'en trouves nulle part, tu peux en acheter. Tu peux en commander, je pense. Mais bon, ça fait chier d'importer dans des légumes dans sa boîte aux lettres, quoi. C'est grand frais. Il y a pas mal de produits exotiques, mais les prix sont hauts. Il y a une époque, je faisais mes courses chez Grand Frais. Moi, en vrai, je suis un peu débile. Je ne regarde pas le prix des choses. Quand j'achète, j'achète. Et des fois, il y a des semaines où je me fais des achats. Quand je passe à la caisse et qu'il faut payer beaucoup trop cher, je me dis « Ok, bon bah la semaine prochaine, tu vas moins manger. » Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas regarder le prix des choses. J'achète juste. Et juste, je me restreins si j'ai trop dépensé, en vrai. Mais je sais que j'ai fait mes courses chez Grand Frais à un moment et on m'avait dit une fois Grand Frais c'est cher. Du coup j'ai un peu baissé le. J'ai un peu moins acheté là-bas. Ah, ta douce blanche tellement insane. Même au Maroc on en a pas mal en vrai. Ah bah tu vois, t'es la deuxième personne à dire que c'est meilleur que les oranges. Ça me donne trop envie de tester. T'en as pris chez Grand Frais toi ? Le kilo était à 8€. Ça reste raisonnable. C'est un kilo quand même. Explosion ! Bah, la texture n'est pas la même, elle est fibrée. Un peu comme du radis gris ou pas ? C'est comme ça, du radis gris. Mais peut-être pas. On pourrait acheter des blanches. Moi j'ai des patates douces blanches et des patates douces oranges. Et boum. Let's go, sans jaillir, une grosse friterie là. Après ça, non ça peut pas. C'est bon des frites de patates blanches, de patates douces blanches. Il y a un mec en rouge là-bas, je le suis. Hey Tony Hawk. Moi je la mange seulement en tagine, d'accord. Avec une bonne sauce. Aïe. Bon, on refait un truc. Carte des défis. On fait une photo de pub. Je mange à la vapeur ou grillé dans leur pot au barbecue. D'accord. Vapeur, c'est trop bon quand même. Hein. Y a plein de légumes. Genre moi les poireaux. Les poireaux j'adore. C'est pas vraiment un légume qui me fait kiffer de ouf. Mais en vapeur. Y a plein de légumes quand tu les manges à la vapeur. C'est... Et les patates aussi en vrai. J'avais fait tester. Je crois que j'avais testé une fois. D'avoir pré-cuit un tout petit peu des patates à la vapeur. Et après en avoir fait des frites. Et c'était cool. Enfin, c'était cool. Je l'avais mis directement dans l'huile très chaude. Pour que ça fasse bien une... Bah, vu que la patate, elle était déjà cuite de l'intérieur. Et plus une couche au-dessus, mais ça faisait une sorte de... C'était particulier. Mais j'aimais bien, c'était pas mauvais. Vidéo. Bon, nickel. Mais ouais, vapeur, tu peux faire un truc de ouf. Les champignons vapeur, tu gardes tout le... Ils dégonflent pas, du coup, ils restent tout gros. Et c'est bon aussi, les champignons vapeur. Ou les champignons frits aussi, par contre. Champignons frits, c'est marrant. Ouais, mais c'est mes parents qui me font à manger du sel dans tout. Du coup, mon palais est déjà habitué. Ah oui. Ah oui, ouais, c'est vrai que... Alors après, quand tu te feras à manger, tu feras tes choix, si tu veux. Moi, je sais que... Ouais. Quelqu'un dans ma famille, je crois qu'il y avait eu un cancer ou un truc grave à cause de ça, des artères, à cause du sel. Et c'est un truc qui m'avait marqué. Et j'avais décidé, moi le sel, nique ta mère, je m'en bats les couilles et je veux garder mes artères. Et boum, let's go. C'est un peu comme ça que j'ai réagi. Après depuis j'ai réfléchi un petit peu, je me dis bon, et on va quand même prendre un peu de sel quand même, c'est quand même, s'il y a des bonnes choses dans le sel aussi, et puis ça donne du bon goût et tout.
Mais c'est un peu... J'ai fait une réflexion assez simple. Jean meurt à cause du sel. Enfin, maladie à cause du sel. Ok, sel nique ta mère. Je crois que c'est un peu comme ça que ça s'est résumé dans ma tête. Merci Clovis pour ton follow. J'ai soif d'eau. Ah, le temps il passe si vite, c'est cool. C'est cool qu'on ait des discussions et qu'on fasse du skate en même temps. J'aime bien ce live. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Et super Link qui paye pour avoir de l'eau. Buvons de l'eau dans le chat, c'est l'heure de l'eau. Let's go. Water. Faire des tricks de 2 points. C'est-à-dire quoi des tricks de 2 points? Putain, on va bientôt passer aux 300 000 boards vendus. Vas-y, on continue les quêtes. Hein. C'est nul ça, non? Je me suis fait rouler dessus. Après la patate blanche et rouge marron d'extérieur, avec une peau épaisse et un rond blanc à la basse, si tu veux en acheter, faut acheter une patate rouge. Ah oui. Mais il y a des quêtes dans le jeu. Bah, c'est des quêtes? Comment on appelle? Des défis. C'est des défis de Rider, c'est pas des quêtes. C'est pas des quêtes. En gros, je peux faire 3 holis, c'est ça? Ça passerait si je fais 3 holis. Ah mais arrête. Ok. Mission inutile. Je sais pas pourquoi il nous force à faire ça. Ok. Nickel. Encore. Carte des défis. Pro. Il y a les contests de street. Les contests de street, je crois que c'est des tournois dans la rue où faut faire les meilleures lines, pas enfin, des meilleurs. Sans ta moyenne, hey, ta maîtrise incroyable. Moyen, je pense. Cool. Hein. Moyen. Ce que tu sais faire. On va suivre Chris Aslam. Il est slammer. Salut Nouchette. Boum. Ouais, juste à côté, c'est bien vu ça. Moins de 40 mètres, moins de 40 mètres, vite! On passe sous la barre? On passe sous la barre. Ouais. Hey, calme-toi! Calme-toi! Putain, il me dit calme-moi. Bah mec, t'es nul ou quoi? Avance. Et mec, c'est pas du skate. Voilà, je me suis dit, c'est quoi ce skater qui court? Un vrai skater, il est toujours sur sa board, ok? Pourquoi vous parliez de patates? Parce que les patates douces blanches, c'est les meilleures. J'ai jamais goûté. Mais c'est bon en tagine et c'est bon aussi tout court. C'est fibreux et c'est vraiment good. Salut Léandre. Oula. Arrête. 20 mètres. 21 mètres. Pars-toi. Plus souvent la tête contre le sol, plus précisément. Attends. Trop bien, j'adore ce jeu. T'adores Shimuti, bah tant mieux. Souvent sur le sol. Là ça va, non? On est rarement, on n'est pas trop sur le sol, regarde. À part les roues du skate, on sont sur le...
Oula, pardon, j'ai tout ça en même temps. Oula, il s'est pété la gueule lui par contre. Yes. La classe. Waouh, bah t'as pas perdu la main. Oh non, mec. Je dirais à Globe que t'as mérité des nouvelles choses. Bon, je dois y aller. Mais j'ai laissé mon sandwich au beurre de cacahuète sur le ledge. Alors fais gaffe qu'on me le pique pas. Allez, on l'appelle comment? Prochain pseudo. Donnez-moi un pseudo dans le chat. Un nom. Un nom, je le prends. Je prendrai le prochain que j'ai vu. Dites-moi. J'attends là. Je prendrai peut-être pas le premier, mais en tout cas la meilleure proposition. Parce que si c'est le premier, des fois, ça peut pas être ouf. Francos. Bah on va pas tous les appeler. Attends, il s'appelait comment l'autre? Il s'appelait pas aussi Franck? Ah non, on l'a appelé comment? Francos, Tintin, Rachid. Rachid, c'est marrant. Vas-y, Rachid. C'est pas marrant, mais je trouve ça cool. Rachid. C'est Rachid. Hop là. Rachid. Trop cool. Par contre, je crois que c'est une meuf. Donc c'est Rachida, du coup. Mais bon. Il manque rien, hein. On va pouvoir créer des skateparks. Run, Glenn, on voit l'inspi de Club. On va pas leur donner des noms de gens morts. Ce serait leur mettre un... Ce serait leur mettre des... Comment on appelle quand tu prends... Ouais, bon bref, je sais pas, mais on va pas les appeler avec des noms de gens morts. Ce serait pas leur donner un bon hommage. Justement, sur ce mémorial... Alors, contest de street, on fait un petit contest de street. Heureux, j'ai envie de péter un plomb. Eh bah vas-y, pète les plombs. C'est ici, là. Voilà, tous les gens qui ont envie de péter les plombs, ils viennent ici. Comme ça, on est une terre d'accueil pour les gens qui veulent péter des plombs. Super, super, j'ai compris. C'est cool que tu fasses de plus en plus de multigaming sur Twitch. On n'a pas genre toujours fait du multigaming, Super Link? Ça m'attriste un petit peu que tu dis ça, parce que on a toujours fait plein de jeux, non? Non, c'est vrai que là, je m'en... En ce moment, je fais vraiment ce qui me plaît. C'est vrai que d'habitude, je cherche des jeux où je sais que ça va vous plaire. Là, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les reins. Je fais ce qui me plaît. Et de toute façon, si ça plaît à certains, tant mieux. Si ça plaît pas à d'autres, et bah qu'ils viennent pas, quoi. Bon, voilà. Après, moi, je viens de faire ma déclaration d'un... Bah, GG, Paulinette. Ça s'est bien passé. Moi, je l'ai faite avant même qu'il m'ait envoyé le mail. Mais je sais pas si je l'ai bien faite. Parce que je me connais... J'y connais rien en... C'est hyper compliqué en plus, leur truc de déclaration, c'est de la merde, on comprend rien. Je déteste mes déclarations d'impôt. Le vainqueur est décidé, qui va se détacher au rang suivant. Ah bah ouais, alors là, comme ça, pouf pouf, en tête, bah vas-y, continue, vas-y, fais comme chez toi, pépère. Et c'est parti avec un joli front de sa graine. Sympa comme variante. Nolin Ward Hill, bravo. Ok. Bon, alors, le placement. J'aimerais pas être à ta place. Alors là, tu m'as tué. Tiens, viens, je fais un câlin et un bisou. Un petit bisou. Attendez, c'est un truc. Dernier essai, allez! Débile. Ouais. Comment ça se passe pour la déclaration avec des revenus qui viennent de Twitch à YouTube? Ça rentre dans quelle catégorie? Moi, j'ai une auto-entreprise et du coup, c'est mes revenus d'auto-entrepreneur. Je sais plus, il y a une case exprès. Pas trop compliqué en vrai. Non, ce qui est chiant, c'est s'ils me demandent de prouver. YouTube, ils donnent des preuves, mais Twitch, leurs preuves, c'est des papiers à la con et chiant à récupérer. Donc le jour où j'aurai un contrôle fiscal, ça va être un peu relou. Mais bon, on verra. Continue de skater comme ça, petit. Essaie de manger dans la poche.
déconne pas, la victoire est pour toi. Bien sûr, grave. Sans parler de tes boards qui s'arrachent comme des petits mains. Sans parler de tes boards. Oh, t'as fait un kick flip de slide, je sais pas quoi là, mais. Je veux pas dire, voilà, mais me commente le live comme une pro en mode ah ouais, il fait une figure compliquée. Oh, alors que pour moi, c'est juste des sauts avec un skate. Et bah. C'est que des sauts avec un skate. Hein. Après, des fois, ça peut être impressionnant quand tu regardes. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs où tu te dis waouh! Waouh! Après, ça reste un jeu vidéo aussi. Hein. Mais ouais. Ouais. Oh putain. Salut Ruru Life! Ben, tu faisais beaucoup de Zelda avant. Mais j'ai arrêté de regarder les lives pendant un moment. Ah, d'accord. Bon, ça fait déjà quelques temps qu'on en fait plus trop beaucoup. Boum. Yeah. Mange deux. Ah, je toussaille ou je bois de l'eau. Ok. Et le premier. Pourquoi ton perso est en Mongo? Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas. Ah, mais là, tu t'es imposé, mais... Mongo. Genre, il est penché. Genre, il est pas bien dans son, dans ses baskets. Ah, parce qu'il a des problèmes dans la vie, la drogue. Surtout. Beaucoup de drogue. Il y a aussi l'alcool, qui a pas mal aidé à son, son destruction au niveau de sa posture. Et voilà. J'ai toujours dit que tu devrais te nommer Link Hero, ça rendrait bon. Bah bien, ouais non. Bah je pense qu'on n'est pas tous d'accord avec les mêmes... On n'est pas tous d'accord, je pense. Hein. Voilà. On partage pas toujours les mêmes avis tout le monde. Hein, c'est bien d'avoir un peu de diversité dans ce monde de bruit. Ok, garde des défis. On va faire une... du pro. On va suivre un mec. Salut Jlobi. Non, Jobi, pardon. Ah, en IRL, c'est giga galère. Ah bah oui, mais en IRL, je pense que c'est même... Alors... Tout ce qu'on fait là, c'est... Il y a peu de gens sur cette planète qui sont capables de le faire, je pense. Surtout, enfin, en vrai... Mais c'est pour ça, merci les jeux vidéo, en vrai. Merci les video games. Sans mourir. Il est bien le jeu, il est à chier Jobi. On ne joue qu'à des jeux de merde. Et celui-ci c'est le pire des jeux de merde auxquels on a joué. Et vraiment bah c'est trop bien en vrai, trop cool. Trop cool de jouer à des jeux nuls. On adore ça. Passion, Léa, passion jeu de merde. Il est où le mec? On l'a perdu. Il est-il pas? Il arrive. Salut gars. Il fait n'importe quoi, il est bourré. Oups, pas moi aussi. T'avais dit qu'on allait se poiler. On allait se poiler. Appelez un médecin. Et applique-toi, c'est pas compliqué. Il y a Paulinette qui est en train de dire que mon pseudo c'est de la merde. Franchement, Paulinette, pas très sympa. Alors, c'est pas cool. Hein. Depuis que j'ai refusé de jouer à Sea of Thieves avec toi, t'es vraiment devenu hyper pas sympa. Ah ouais, terrible. Ouais, son pseudo il est nul, ça sert à rien de poser la question, vraiment, tu vas être déçu, aucun intérêt. Super. Modo ingrate, exactement. Ou réaliste. Réaliste. Non, t'as raison, ouais. Sympa les modos, mais ouais. C'est un moment que je n'ai pas passé, ça va BG? Bah ça va bien depuis que t'es revenu, hein. Avant c'était un petit peu la dépression, la tristesse, mais là ça va mieux, ça va bien mieux là, Pitanou. Ça va largement mieux. Promo d'équipe, pro. Ça devait être dur sans moi je comprends, mais... Infâme, infâme. Salut Mike, ça va? Moi je m'appelle Lucas et je fais du skate. Ça dit de skater avec moi? J'adore faire ça. Allez, let's go mon pote.
On va grinder tous les ledges si tu veux. J'ai dit on allait grinder tous les ledges si tu veux ensemble. Un petit grind de ledge. Yes. On en grind un autre. Attends, on peut pas recommencer, j'ai fait de la merde mec. Ah, faut que je fasse un grind différent à chaque fois. Attends, on va recommencer. Voyons ce que tu sais faire. Voyons ce que tu sais faire, mec. En tant que skater. On va faire un 50-50. Ok, on va faire un petit slide. Ok, on fait quoi d'autre maintenant? Un petit... un truc un peu original. J'ai fait de la... Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Oh non, fais un truc au-dessus du canapé, j'ai raté. Alors attends, nose blunt. Raté. J'ai fait un nose grind. Eh ben, tile grind. Un 5-0, dommage. Un FS board. Oh, on va faire quoi? Pas quoi faire? Un slide? Non, on l'a déjà fait. Bon, j'ai fait un FS et un BS board. Trop bien. Je sais pas ce que ça veut dire FS, BS, à mon avis, c'est le côté gauche. Front. Front side, board et back side. D'accord, c'est front side, back side. Ok. Et là, faut faire un trick. Gap de la clôture. Yes. Yes, mon pote. Ah ouf, hein, ce que j'ai fait en vrai. Alors là, t'as trop bien géré. Bon ben, c'est pas tout ça, mais j'espère on a encore qu'il y aura un petit vieux sur ta planche. Route du retour. Alors en route. Lucas Puig. Ok. Lucas Puig. Attends, est-ce que j'ai accès... Activer pack partage skate. Tu as perdu ta connexion à IE. Musique là est cool. Quel rider ce F, t'as vu ça? Moi je pense que les serveurs de EA ils répondent pas. Electronic Arts. Non, bye bye EA. J'ai bousculé le caméraman. Bon, je pense que c'est mort. Je pourrais jamais tester les skateparks que j'avais fait quand j'étais petit avec vous. Alors que j'en avais plein. Enfin, quand j'étais petit. Quand j'étais plus petit que je ne suis là. Des défis, mais l'encourage pas à dire des trucs comme ça. F, vous allez tous me porter l'œil. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'était porter l'œil, l'expression que je voulais dire tout à l'heure. Mais du coup, j'y avais plus le contexte, du coup, c'est pas marrant. Bah, en même temps, ouais, des fois. Si t'es en voiture et croiser des petits vieux, ça peut. Je sais pas, ça peut être bénéfique pour l'humanité en vrai. Ça arrive, hein. J'avais pas vu qu'il y ait une barrière. Bah, faut que je fasse 5000 points. C'est bon, ça roule, mon pote. Il faut faire 5000, on va faire 10 000, non? Salut KitKat! Bienvenue KitKat! Ce serait pas bénéfique quand je serai en prison et que je serai plus là pour raconter ma vie. Non, c'est un accident. Un banal accident de voiture.
Wanna become famous? Buy viewer, follower on Prime, on viewer on shop. Eh ben merci Kawolf. Je vais aller acheter des centaines de viewers. Ça va être vraiment le kiff. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Boum 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 boum. Désolé mais je dois y aller. C'était super cool. À plus tard pour un prochain live. Et ben, à la prochaine Super Link. Merci beaucoup pour ton message. Ça fait plaisir. Bon bah on n'a pas fait semblant. On va revoir des pros. Il est quelle heure? Il va falloir que je parte. On en fait encore un dernier. On va vendre 12 000 boards, ouais. Ouais, ouais, ça va être trop cool. Let's go. J'ai soif. Ah, j'ai trop soif en ce moment. En vrai, je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des lives, au bout d'un moment, j'ai une envie, mais c'est un besoin de boire. C'est assez bizarre. Comme si l'eau, elle me déshydratait pas. Elle me déshydratait pas. Déshydraté. Non, elle m'hydratait pas quoi. C'est bizarre. Oh non mais. Oh. Il est nul mon pote. Ouais. Et en vrai, mon t-shirt je le trouve stylé non? Y'a pas un. Je trouve qu'on a un sacré style avec notre personnage non? J'arrive pas à grinder. Ah, il manquait plein de trucs. Ah, mais toi aussi, j'ai toujours aussi soif depuis tout à l'heure. C'est bizarre, il y a peut-être une maladie en ce moment. Vu que bientôt, il y aura bientôt plus d'eau dans le monde. Bah, peut-être que on a tous soif pour montrer que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et moi, ça fait 3 jours que c'est comme ça. Comme si j'étais malade. Ou comme si peut-être j'avais perdu le sens du goût. Et que depuis que j'ai retrouvé le sens du goût. Je viens de m'en rendre compte et j'ai trop soif parce que j'adore l'eau. C'est stylé là. C'était mortel. Mortel. Non mais vraiment. Sérieux. Mortel. Attends, je veux voir la fin. La dernière vidéo elle est trop cool, je crois. Là, ici là. Il est avec notre pote là. Oh, stylé. On en fait une dernière pour le plaisir. On est avec Eric Coston. Eric Coston, je crois qu'il était en Tony Hawk, lui. Ça me dit quelque chose. Enfin, dans un jeu Tony Hawk. Eric Coston. Ça me dit trop quelque chose. Mais je connais pas le skater, je connais juste le personnage du jeu vidéo, Eric Coston. Dernier. En truc de pro. C'est-à-dire que tu bois que de l'eau pour dépenser des théories aussi poussées. Ouais. Juste de l'imagination. C'est vrai que. Il y a des gens. Quand tu commences à dire des trucs. Sans trop. Je sais pas trop terre à terre. Ils sont toujours sûrs que c'est de la drogue ou de l'alcool. Et moi je trouve que c'est un peu triste quand même. Que à partir du moment où t'as de l'imagination, c'est que tu prends de la drogue, je trouve ça. C'est un peu tristoun. Je trouve ça tristoun, okay, les réactions des gens. D'après Google, la soif excessive peut être liée au sport. Ah bah c'est ça. Non. La chaleur. Ah bah c'est ça. Non, je rigole. La consommation d'aliments épicés ou salés. Ah bah là, c'est ça. Là, on est d'accord. Mais non, en vrai, je prends pas beaucoup de piments en ce moment. Un dessèchement de la bouche. Ah, du diabète. Ce serait bête d'avoir du diabète. En vrai, ça arrive à tout le monde. Hein. À tout le monde, non, peut-être pas, mais. Lui, yes! Comment ça s'est pas. Attends, t'es revenu depuis que t'as eu ta. Ta. Je sais plus, ton truc de musique là? Ça s'est bien passé ou pas? Je me rappelle plus si t'avais déjà dit ta réponse. Ton audition, pardon, excuse-moi. Truc. C'était beau ça. Yeah, c'était mortel. T'as eu ta consommation de piment pour le restant de l'année? Absolument pas. Tu veux le rencontrer? Je le connais, tu sais. J'en mets 4. Normalement, j'en mets 3 à 4. Avant, j'en mettais 2 par plat. Maintenant, j'en mets 4 ou 5.
C'est un peu trop. Non, c'est bien, ouais. Mais je sais que je suis pas du tout tolérant au piment. Je pense que plus t'en prends, plus t'es tolérant, je pense. Mais j'ai des potes... ils étaient capables de manger des trucs. Wow. J'ai lancé deux missions, lui, d'une seule. Faut vraiment que j'arrête, en vrai. Un voleur ? Mais c'est qui ce mec là ? Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et merci Mister P12 pour ton 23e mois d'abonnement. Tu te rends compte de ce que ça représente ? 23 mois, c'est énorme ! Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour ton sub, merci pour ton soutien depuis tout ce temps. Merci beaucoup, genre de ouf. Salut la couche. T'as fait du bon boulot, bravo. Oui, c'est hier, c'était passé bien, le directeur était époustouflé ! Alors est-ce que tu abuses ou est-ce que c'est vrai ? Époustouflé ? Tu as ressenti un époustouflement de la part du directeur ? Bon, en vrai, si c'est ça, tant mieux. Après, si tu exagères, bon, tant mieux aussi, c'est marrant d'exagérer. Mais il était époustouflé, hein. Le directeur de Elias a été époustouflé, c'est incroyable. GG de l'avoir époustouflé. Tant que tu l'as pas fait s'étouffer et qu'il n'est pas mort, fini aux urgences ou je ne sais quoi, c'est que c'est positif, que du positif. Et ça, c'est cool. Ça fait 2-3 dégâts, mais je te dis que c'est la dernière. Allez, der, ok ? Bien vu. Ticket ! Ça va, vieux ? Je suis très fier de moi. Ça va donner grave, t'entends ? Il a dit que je suis le seul à bien utiliser la pédale. Tu passais pas ton permis, hein ? Non, d'accord. Ah bien, attends, parce que, attends, c'est quoi comme instrument ? Tu joues de la batterie ? Ah non, le piano, je suis con. Du piano, non ? Voilà. Mais putain ! Pardon, je me suis un peu énervé. Il me casse les couilles, ton pote, là. Il avance à rien. On recommence. Du piano, oui, je pense que c'est du piano. On va voir ce que tu veux. Là, tu me sors un instrument où il n'y a pas de pédale. Non, je joue de la guitare. Mais putain, mais j'arrive pas à monter sur ton putain de rail. Pardon. Bah, c'est la game en trop. Joyeux les billes et tous, salut Polinette, au revoir. Faut que t'arrêtes de dire le mot pédale, parce qu'il y a Twitch qui le bannit automatiquement. Pour cause de... je sais plus quoi. Ils aiment pas le mot pédale, ils sont vraiment Twitch, des fois leur truc c'est un peu abusé. Il y a une... oui c'est vrai que pour la guitare électrique il y en a, c'est vrai. Vu comme ça... mais bon, ouais. Tu peux faire de la guitare électrique au conservatoire ? Trop stylé ce que t'as fait ! Je vais passer au-dessus ! Mais non ! Mais j'ai réussi ! Gap sur un des rails. Il fallait que j'aille... il fallait sauter pour rider. Ça va donner grave, t'entends ? Oh dommage. Ça m'énerve! On va voir ce que tu veux. Ça doit pas être facile hein, d'apprendre à utiliser la pédale au piano parce que justement t'as tu t'habitues forcément beaucoup aux doigts. Et devoir rajouter un truc en plus, déjà que ça doit être bien compliqué. En tout cas, GG. Faut que je tombe sur un rail. Ça va donner grave, t'entends ? On peut faire de l'électrique au conservatoire. Ça va aller ? On peut faire de l'électrique ? Attends. Putain, mais ça m'énerve ! On peut faire de l'électrique quoi. Mais c'est pas le plus intéressant comparé aux instruments classiques. Pas intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ok.
Oh mais sérieux, il a touché le rail. Comment ça s'appelle quand, quand t'effleures un rail? Ça a un nom ça en skateboard? Y'en a qui savent ou pas? Le seul truc dur, ils le mettent à la fin. Pourquoi? Pourquoi on commence pas par le truc dur au début? Comme ça, une fois que tu l'as, t'as le reste. Mais non. Aucune idée. Ok. Cap sur un dérail. Allez, là on y arrive. Voilà. Le kiff. Ça c'est la classe, ça, c'est la classe mon pote. La classe à Dallas. Et bien sur ce beau trick, on va faire des bisous aux gens qui nous suivent sur YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment YouTube sur ce jeu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Au revoir, bye bye. Et au revoir YouTube.